YouTube, salut, j'espère que tu vas bien. Nouvelle session sur Despot Games. Installez-vous, les amis. Mais non, mais Léos, reste avec nous un petit peu. Tu parles pas souvent, là. T'apparaît, tu parles un peu, puis tu parles. Puis tu pars. Nouvelle session sur Despot. Despot Games, c'est un jeu de stratégie orienté roguelike, dans lequel on progresse de salle en salle, en se constituant une armée d'humains, essayant de vaincre les ennemis toujours plus nombreux et plus forts. Je vous rappelle que vous, qui êtes là dans le chat ou dans l'ombre, peut-être que vous allez faire partie de mon armée ce soir. C'est parti, c'est la, je sais pas, cinquième session que je fais sur ce jeu déjà. Let's go. Nouvelle partie. Voilà, on va commencer classique. On a déjà 4 humains. Ok, on verra c'est qui. On doit acheter des humains au fur et à mesure, d'accord? On gagne de l'argent. On doit acheter de la nourriture pour nourrir notre armée. On doit acheter des armes pour notre armée, ou des objets de soins, ou des objets magiques. Ok? Il y a des bonus aussi, il y a plein de choses. C'est des étages. On doit fouiller chaque étage et battre un boss à la fin pour aller à l'étage d'après, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Let's go. La plupart connaissent déjà. Hein. Est-ce qu'il y a une fin? Ouais, normalement, il y a un boss de fin, ouais. Alors, dans l'équipe, nous avons Ophi. Regardez, hein, ça, c'est le pseudo de... Tu vois, j'ai cliqué sur lui, là. Nous avons Ophi, qui est là dans le chat avec nous ce soir. Elle a une classe... c'est quoi le nom? C'est quoi le nom de la classe? Merde, attends. C'est Tank, oui. Tu es là avec un bouclier pour nous protéger, en fait, pour prendre les dégâts à notre place, tout simplement. Nous avons qui? Nous avons Rotor. Rotor qui a une épée. Nous avons Silenzo. Silenzo qui a un fusil arbalète. Et nous avons Kurokawa. Kurokawa dans l'ombre, gros bisous, qui n'a pas encore d'armes. On lui en trouvera, je l'espère, assez vite. C'est parti, avançons. On a la map ici, hein. Regardez au-dessus, là. On a la map, on peut voir déjà que dans la salle à gauche, il y aura de quoi acheter de la nourriture. Et dans la salle au-dessus, il y aura de quoi acheter des bonus, des petits pouvoirs. Donc voilà. Ok, là il y a 3 ennemis, je dois lancer le combat, c'est automatique. Moi je peux placer mes humains un peu comme je le veux. Dac. On va laisser comme ça. Et let's go. J'aime pas tank. Pourtant c'est pratique. Hein. Donc nous on doit essayer de te protéger, mais toi tu dois nous protéger aussi. Donc, voilà. Non mais arrête Monsieur K, oh c'est méchant. C'est vous qui n'êtes pas assez fort. Mais en vrai c'est un jeu qui est long, c'est compliqué. Donc parce que Piwa qui demandait est-ce qu'il y a une fin, il y en a une. Mais en fait c'est le genre de jeu, donc c'est un roguelike. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une partie, ok, on avance très très loin et puis on finit par mourir. Sauf que on débloque des objets pour la prochaine partie. Donc les objets que j'ai débloqués la dernière fois, je vais pouvoir les acheter ou les trouver dans ce niveau pour ma nouvelle partie, en fait. C'est ça, un roguelike. En gros, chaque partie que j'ai faite va m'aider pour les futures parties. Et à un moment, je deviendrai assez fort que pour arriver à la fin du jeu. Faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de petites choses à savoir. Donc, il y a des petits détails à savoir et j'apprends à chaque partie, j'apprends des trucs. Let's go fight! Vous voyez, le bouclier s'est mis devant... Bon, les drones, ils font mal, hein. J'espère qu'on aura des objets de soins. Eh ben, regardez, je peux déjà acheter un humain si je veux. Je peux acheter... Alors, il y a plusieurs classes, hein. On a Tank, on a les bretteurs, donc les épéistes, hein. Les saltimbanques, je sais pas très bien. Hein. On voit qu'ils ont une lance, une raquette de... Hein. Un trident. On a les bagarreurs. Eux, ils vont au corps à corps, ils font des kicks ou à la boxe ou quoi. C'est vraiment au corps à corps. On a les soigneurs. Vous voyez ici, il y a l'indice de rareté des objets. Vous allez voir, c'est très chouette, hein. Ceux qui connaissent pas, les lanceurs, ben eux, ils lancent des trucs. Voilà, des bretzels, des ballons, des shurikens, des poissons et des bombes. Le bombe, c'est l'objet légendaire. Hein. Tout ça, c'est les meilleurs objets. Faut savoir que beaucoup d'objets sont des grosses références à des licences. Là, on a l'épée de Guts, ou alors l'épée de... En plus, elle a un nom, hein. Dryhander, je sais pas si ça vient de où exactement, mais... Peut-être c'est l'épée de... dans Final Fantasy VII, de Cloud, c'est possible. On a les tireurs, ça, c'est des armes à feu, ou à laser, ou quoi. On a les cultistes. Donc eux, ils ont des sorts, c'est pas de la magie pure, mais comment on appelle ça? C'est des sorts de foi, comme dans Elden Ring. On a les vrais magiciens, okay, avec des objets de magie. Et on a les intellos, qui eux ont des objets un peu technologiques, mais qui peuvent être très utiles. Comme par exemple les bras de Dr. Octopus dans Spider-Man. Voilà, voilà. Du coup, j'aime bien les cultistes. Donc moi, j'ai envie d'acheter... J'ai combien de pièces? Ah, j'ai 19! Ah, merde, je peux pas acheter tout. Je peux pas acheter tout. Écoutez, on va acheter... Ça. Oh, putain, t'as plus de vie. Ouais, j'achète. C'est qui, là, encore?
C'est Kuro. Kuro, je lui donne le chapeau de lapin. Regardez, c'est un magicien maintenant, vous voyez. Ah, mais ça l'a soigné en plus. Oh, dommage, j'ai pas de quoi acheter l'anneau enchanté. J'aurais aimé acheter un humain et l'anneau. Il faut savoir que si j'ai différents objets de la même classe, je peux débloquer des pouvoirs, d'accord. Donc écoutez, pour l'instant, bah, du coup, on va rester comme ça. On va aller dans la salle ici, nourriture. C'est parti. Bon appétit aux filles. On va défoncer tout le monde et on va voir si t'es dans l'équipe ou pas. Hein. Alors les drones sont chiants, ils font des dégâts de zone. Bon, on les pète. Là, j'ai gagné un peu de thunes. Vous voyez, il y a mon argent ici, il y a ma nourriture ici. Chaque fois qu'on va d'une salle à une autre, eh ben, si on a 4 humains, on perd 4 de nourriture. D'accord. Voilà, voilà. Il n'a pas précisé, mais il peut aussi nous sacrifier. Oui, on peut sacrifier les humains sur cette petite plaque ici. Si j'envoie un humain dessus, il va dessus, il meurt et il devient de la nourriture. Et on le mange. L'héros d'envoyer ses viewers se faire éclater. C'est assez vrai, Kainox. Allez, je vais acheter un peu de nourriture. Voilà. On voit qu'il y a la salle de boss à gauche. Eh ben, on va pas y aller maintenant. Donc, avançons. Il y a un magasin ici. Pour ça, il faut combattre et débloquer. C'est bien, avec les deux, là, on pète d'office un drone à chaque fois. Oh là là. On a déjà notre petit rotor qui est vachement blessé. Ah, on peut débloquer un soigneur, si on veut. On peut aussi améliorer le store. Je vais l'améliorer. Bon. On va quand même débloquer un petit soigneur ici. Voilà. C'est qui? C'est Jackie. Jackie qui sera notre soigneuse. Hop, voilà, voilà. Ici, hop. Eh ben, on va la mettre ici. Comme ça, lui, il se met bien derrière. Il courra, puis il se fera soigner. On va rien acheter d'autre pour l'instant. On va dans la salle d'à côté. Où là, on pourra avoir un petit bonus. Parce qu'il y a des bonus. Regardez. Mais ici, j'en ai un. Économie, 50% de chance de récupérer un objet quand un humain meurt avec. Donc ouais, quand quelqu'un meurt, ben, j'ai une chance sur deux de récupérer son arme. Et ça, c'est vachement utile quand même, hein. Je pense que je le dise. Voilà, voilà. Hein. Oh, j'espère que ça va dans le chat, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le jeu. Là, j'ai passé 5 minutes à tout expliquer. Mais je sais que, bon, tous ceux qui sont là, ils connaissent à peu près comment ça se passe. Le soigneur, regardez, il soigne exactement celui que je voulais, c'est parfait. Donc je rappelle... Ah, drone. Oh oui! Je reçois un drone. Et ben maintenant, à chaque fois qu'il y a un combat qui démarre, il y a un drone qui arrivera pour nous aider. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Je rappelle, nous avons Kurokawa, le magicien, le magnifique ici. Nous avons Jackie Wells, la soigneuse. Nous avons Ophi, qui est le tank. Nous avons Silent So, à distance. Et Rotor, à l'épée, mais qui est quand même un peu blessé. Là, je suis obligé de bouger dans les salles pour revenir à la salle de boss. Donc, je perds chaque fois de la nourriture. Hop. On va en racheter. Hop. Et les gars... Quoi qu'il se passe, là, je suis obligé d'aller voir le boss. J'ai pas d'autres salles à explorer et on pourra passer à l'étage supérieur. J'espère qu'on va le défoncer. Voilà, j'espère qu'on va le défoncer. Let's go. Fait mal. Premier boss, hein, donc ça devrait aller. C'est passionnant. Vous allez voir, ça va devenir très très cool. Ok, bon, tout le monde est quand même mid-life, hein. Il y a une nouveauté qui a eu avec la mise à jour. On reçoit des pouvoirs. Nouveau archivé. Créer 3 nouveaux sur des cases libres. En possession 2. Ah, je crée des humains, donc j'aurai des humains gratuits. C'est cool, ça. Hein. Robot archivé. Créer un calais d'obéissance sur une case libre. Pour avoir un robot dans l'équipe. Mais est-ce que c'est temporaire ou pas? Ah, mais je sais pas. Je dois choisir un des deux. Le taf du healer est monstrueux. Ben, ça fait la diff, hein, c'est important. Hein. Mais tu te fous de ma gueule parce que tout le monde est blessé ou pas? Parce que vraiment, c'est... Oula! J'ai failli le sacrifier. C'est super important. Hein. C'est une tour de l'enfer, le truc, ouais, de fou. J'ai pas quoi choisir. J'ai un bonus qui me permet d'avoir 3 humains. Ou un bonus qui me permet d'invoquer un robot. Enfin, ou un Khaled obéissant. Je sais pas c'est quoi un Khaled, hein. Ah, ok, ça va alors. Tu dis ça dans le bon sens. D'accord, d'accord. Parce que c'est vraiment super utile, hein. J'avais déjà fait les Yoss par le passé, vraiment toute une équipe de healers, donc j'avais plein de soigneurs, donc mon équipe ne perdait presque pas de vie. Sauf que je suis tombé face à un boss qui invoquait des zombies, des squelettes. Et en fait, mon équipe avait pas une assez grosse force de frappe. Donc, comparé au nombre de zombies qu'il invoquait, on n'en tuait pas assez. Donc il y avait toujours de plus en plus de zombies, et à la fin on est mort, quoi. Donc, on soignait bien et tout, c'est cool, mais on n'avait pas de force de frappe. J'ai envie de tester Khaled, là. Pas quand est-ce qu'on va l'utiliser, on va attendre un boss alors. Ah oui, c'est un robot archivé. Regardez, c'est écrit derrière ma caméra. Créer un calais d'obéissant.
On le fera au bout d'un moment, je sais pas. Hop. Niveau 2. Niveau 2, je peux acheter des trucs. La tour. Les humains découvrent une haute tour, au sommet de laquelle trône une antenne. Ils parviennent tout juste à lire ce qui est écrit dessus. 5G. J'ai entendu... On a plusieurs choix. J'ai entendu dire que ça donne le cancer, fouillons. Deuxième choix. Ça pourrait nous servir, essayons d'en découper un morceau. What? Troisième choix. Le 5 se dit penta en latin. Le G est une unité de masse, le gramme. Donc 5G veut dire pentagramme, le symbole de Satan. Nous devons détruire cette tour démoniaque. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de références dans ce jeu. Ça, c'est des événements aléatoires. Il y a vraiment des références à des jeux, à des films, à la réalité ici avec la 5G. Il y a plein de références. Franchement, Léos, je te le conseille, mais tellement. Alors, je fais un petit sondage. On dit quoi? 1, 2 ou 3? Et je vous laisse 2 minutes pour voter, même pas 1 minute. On vote quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une antenne 5G, on est tombé dessus. Est-ce qu'on dit que ça donne le cancer et on se barre? Est-ce qu'on essaie d'en récupérer un morceau? Est-ce qu'on dit que c'est le symbole de Satan et qu'on doit la détruire? What the fuck? Moi, je me dis, on pourrait essayer de choper une partie de l'antenne. Et peut-être, je sais pas, faire quelque chose avec. Pas trop, hein. Votez dans le chat, hein, les amis. Votez. Dites-moi ce qu'on fait. Pas trop, hein. Vous voulez qu'on la détruise? Oh, Nao! Hey, comment tu vas, Nao? C'est un plaisir de te voir. Bienvenue. Installe-toi avec nous. Bonne question au hasard. Comme quoi, le hasard fait de bonnes choses. Oh, c'est vrai, ça. C'est le hasard qui t'a amené ici, Kainox? C'est trop cool quand même, ça. Sur Horizon à l'époque déjà. Le temps passe très vite, hein. Le temps passe très vite et je te souhaite que ça marche pour toi le stream parce que. Moi, quand quelqu'un se met à streamer, j'attends toujours de voir si il va le faire sérieusement, etc., régulièrement, et c'est le cas pour toi. Donc, Kainox, force à toi. Et pour tous ceux qui ne le savent pas, Kainox, il stream. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait sur sa chaîne, ça va? Moi, Nao, bienvenue, installe-toi avec nous. Putain, vous avez fait égalité entre le 2 et le 3. Du coup, c'est moi qui choisis ou je fais un pile ou face? Je fais un pile ou face? Attendez, j'ai une carte sur mon bureau. Une carte à la con. Si c'est Queen, c'est 2. Si c'est l'autre côté avec plein de trucs écrits, on fait 3, d'accord? Je regarde pas. On va regarder ensemble. J'essaie de la récupérer sans regarder. Hop, c'est sur ma main. C'est Queen. Et j'avais dit Queen, c'est 2. Donc on essaie de découper un morceau. Joli tour. Celle des intellos bénéficie désormais d'une aura qui augmente le mana maximum. Alors j'ai pas d'intello dans l'équipe. Bon, on a reçu un bonus. On l'avait détruite, on aurait peut-être rien reçu, ou tu vois. On a reçu un bonus pour les intellos, d'accord? Voilà, ici, on a les bonus qui s'ajoutent. Attendez, je vais enlever le sondage. Et du coup, les intellos, c'est eux, là. Hein. Ceux qui ont ces armes-là, mais j'en ai pas. On a un... Oh merde, c'est pas cultiste, ça, c'est de la magie, ça. Ah mais c'est ça, les cultistes! Je me suis trompé, je me suis pris un magicien tout à l'heure. Alors que c'est ça, les cultistes, c'est eux que j'aime bien. Les magiciens, si on a plusieurs magiciens, qu'est-ce qui se passe? Les humains reçoivent la capacité foudre. Oh, il faut 3 magiciens pour avoir la capacité foudre. Ça fait quoi? Ça sort un sort de foudre, ça peut être cool. On va améliorer le magasin. Boum, j'ai débloqué un autre objet, mais qui coûte beaucoup plus cher. J'aimerais bien quand même encore un... Pourquoi pas quelqu'un à distance? Un deuxième tireur, là. Why not? Allez, c'est qui? C'est Ronflex! On va lui donner un flingue. Hop. On a 2 tireurs ici. Voilà, Ronflex et Silenso en mode tireur. Et là, on va aller dans la salle d'à côté, c'est parti. La musique est cool, j'espère que c'est pas trop fort. Hein. Vous me dites s'il faut que je diminue. Hein. Alors le soigneur, je vais un petit peu le reculer quand même. Sauf qu'on doit faire attention. Mais fight! Tu vas bien toi, Nao? Est-ce que tu vas bien? Allez, soigneur, le soigneur, soigne. Ophi qui est presque morte. Ophi qu'on va devoir cacher derrière. On va se rendre à la nourriture. On a le choix d'aller dans 2 salles. Il y a une salle avec un téléporteur et une salle avec une amélioration. On va aller dans la salle au téléporteur. C'est un cul-de-sac. Merde. Un petit fight. Ça devient dangereux, là. J'ai pas envie qu'on perde des humains tout de suite. Là, Rotor, il va mourir! Oh, il a survécu. Rotor est passé au level 2.
Rotor est level 2. Ophi est level 2 aussi. Ah, je peux avoir... Ça... Mais du coup, ça, c'est cultiste. Ah, putain. Oh, il y a un objet cultiste qui est vachement poussé, là. Mais il faut pas que je me disperse. Normalement, je dois rester concentré sur un seul type de héros, quoi. Je te demanderai d'augmenter la musique. Si tu veux, on l'augmente, hein. On l'augmente un peu, hein. On peut un petit peu l'augmenter, hein. En pleine forme. Ah, c'est cool. Ok, attends, on va quand même... N'abusons pas. Voilà, comme ça, appliquer, continuer. Du coup, je sais pas, est-ce que je change le magasin? Ah, je l'ai changé. Ah, j'ai bien fait. On a un anneau magique assez puissant, là. Ça nous ferait deux magiciens dans l'équipe. Donc, on va acheter un humain. Hop, c'est qui? C'est Skedan. Skedan, tu vas devenir un mage avec un anneau de pouvoir de type rare, ok? Ancien anneau enchanté. Hop, je te l'achète. C'est pour toi, Skedan. Tu es où? Tu es là. Regarde ça, maintenant tu as une aura autour de toi. Bon, j'ai un peu peur pour eux, là. Ils sont vachement blessés. Hein. Il me faudrait du soin, mais j'ai plus d'argent. Préparer mes canons pour toi, et charger avec amour. Oh, c'est mignon, Nao, ça! Préparer ses canons pour les charger avec amour pour toi. Ah, c'est mignon, ça. Bon. Let's go. J'ai un peu peur pour ceux qui ont plus de vie, là. Vite, avant qu'il meure. Oulala, oulala, là 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 là. Oh my god. J'ai perdu tellement de vie. Alors, balles en caoutchouc. Les tireurs utilisent des balles en caoutchouc qui ricochent 3 fois, touchant des ennemis supplémentaires. On a 2 tireurs. Est-ce que je change ou pas? Changement gratuit 2. Et du coup, j'aimerais bien les trucs pour la magie, tu vois. Ça, c'est des bonus. Moi, je voudrais des trucs pour la magie. Ça, c'est l'intelligence, ça? Ça, c'est quoi, ça? Les dégâts des bagarreurs, ça, c'est quoi? Multifrappe. Toutes les unités à 20% de chance d'utiliser une capacité active en ignorant son temps. Attends, on va refaire. Oh, un truc de magie. Les mages ralentissent la vitesse d'attaque d'un ennemi de 30%. Hop, let's go. Par contre, vraiment, là, les... Voilà, Jackie va mourir, quoi. Allons dans la salle. Téléporteur ou manger? Téléporteur. Il y a le boss, là. Merde, j'aurais dû aller dans la salle manger. J'aurais dû aller dans la salle manger, c'est pas très grave. On les fight. J'ai peur qu'il y ait des morts, là. J'ai peur qu'il y ait des morts. Toujours pas de mort. Pas avoir un soigneur, là. Ça, on est d'accord. Ça, c'est des mages. Changement. Ah, je peux avoir un soigneur en plus. On achète un humain. C'est Piwa. Piwa 7. Si tu es toujours là, Piwa, tu fais partie de notre équipe. Putain, j'ai positionné de fou. J'espère être dans la bâtard army. Fafa, j'espère pour toi aussi. De toute façon, il y en a qui vont mourir. Donc, à un moment... Silence, on le recule un peu, d'ailleurs. À un moment, t'en feras partie. Et remumu. Horizon Zero Dawn, tu es apparu dans mes suggestions. Yeah, trop cool. Et de rien, Kainox, hein, t'en fais pas, dit. Aucune possibilité de heal en dehors du healer? Non, aucune possibilité autre. Si. Tu vois, à côté de moi, j'ai un petit pouvoir là, Léos. D'ailleurs, je peux invoquer un robot. On va le faire au boss. Hein. Au boss, on l'invoque parce que je me demande c'est quoi, je suis curieux. Ici, on peut avoir un autre objet et des fois, c'est un objet de soin. Avant, ça n'existait pas, ils l'ont mis à jour. Donc voilà. Du coup, c'est qui que j'ai invoqué? C'est Piwa. Piwa va devenir soigneur, les amis. Je dois heal ou commencer à creuser les tombes? Ouais, je dirais un petit peu des deux, malheureusement. Je vais te mettre devant. Écoutez, on va descendre s'acheter à manger dans la salle ici. Regardez là. Même si ça nous coûte de la nourriture. Comme ça, il y a un petit combat et potentiellement la possibilité que ça heal. Même s'ils sont low, ils push, c'est triste. Ouais. Mais ça, tu peux pas... Il n'y a pas de stratégie, tu vois. Je peux juste les éloigner au maximum des combats. C'est tout ce que je peux faire, quoi. Donc le mieux, c'est mettre les healers un peu devant. Pas trop non plus, limite. Moi, je peux pas avancer. Cliquez sur la pub qui va apparaître dans le chat, les amis. Ça soutient la chaîne. Le flot du brancardier. Ouais, t'as vu. Il bouge son cul, hein. Il y aura des morts, là, je pense. Hein. J'esquiverai tes boulets, tel Neo de Matrix. Mais c'est de l'amour, Akilusan. Il faut pas esquiver. Tu es parmi les troupes. Pas encore, Mumu. Pas encore. Pourquoi le sort s'acharne sur moi? Oh, j'avoue, mais... Attends, toi, t'es où? Tu es là, je t'ai mis là, hein. Non. Attends, t'es qui encore? Ah, mais t'es la soigneuse.
Mais tu vas survivre, t'es level 2, allez fight. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Tout se passe bien, voilà. Le drone a été... Ok, alors le healer, est-ce qu'il a eu le temps de heal? Même pas, hein. Oh là 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 là, c'est compliqué, hein. On va avoir des morts contre le boss, je vous le garantis, malheureusement. On s'achète full bouffe, comme ça on pourra avoir full humain la fois prochaine. Il y a le boss au-dessus. Oh, il y a une salle en dessous. Oh, j'ai bien fait de venir. Il y a encore deux autres salles avant le boss. Vous voyez, là, il y a un point d'exclamation et une interrogation. C'est-à-dire qu'il peut se passer quelque chose, un petit événement. Hey, Ray, welcome. Bonjour, comment ça va, Ray? Bienvenue. Alors, cet événement, je le connais. Donc, je vais vite le passer. Excusez-moi, quoi? Apportez-moi 5 tout rose. 12 antilles en défense. On dirait qu'il veut un sacrifice de 5 nouveaux. Allons en chercher. Non. Alors, il y a un monstre dans ce truc. Il demande qu'on sacrifie des humains. J'ai pas envie. Ça nous donne un pouvoir, mais je veux pas utiliser ce pouvoir. On va lui jeter des pièces. Arrêtez de me balancer de ces trucs. 20 pièces sont recrachées du puits. Dans votre direction. Bien plus que vous n'en avez jeté. En gros, voilà. Désolé pour ceux qui connaissent pas le jeu. Là, j'ai bâclé un peu l'événement. Bon, on a gagné de la thune. Bon, c'est tout ce qui compte. Du coup, on a 30 d'argent. Je rachète un peu de bouffe. On va ici. Dernière salle. On fait le fight. On espère gagner... du soin. On espère que le soigneur va soigner un peu les gens. Putain, le mage, il est... Oh, on a eu un mort? Ah non. Je peux peut-être acheter... Quelqu'un avec un bouclier en plus. Hein. Alors, je fais un petit changement ou une amélioration. Amélioration, allez hop. On va avoir un soigneur en plus, mais c'est déjà un objet de soin qu'on a. Donc, bof. On va faire un petit changement. Oh là 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 là. J'ai pas d'humain. Je pourrais acheter ça si je voulais un fusil plasma. Ou alors un bouclier ici, de nouveau une table de baston. C'est que deuxième level, hein. Ouais, pas ouf. Je rappelle qu'on a un bonus pour les intellos aussi, c'est quoi? 100 de mana en plus aux alliés. Ah, ça donne du mana aux alliés? Les tours des intellos. Ah, je sais vraiment pas quoi acheter, hein. Je sais vraiment pas quoi acheter, hein. Comment tu vas, Ray? How are you? C'est un sabre laser? Oui! Je t'ai dit, c'est des références à des trucs qui existent déjà, donc c'est clairement le sabre laser des derniers Star Wars, hein. Clairement, clairement. Reste sur mes gardes. T'as bien raison, Aki, on sait jamais. You good? Yeah. Nice. I don't know what the boy, maybe no, nothing. J'achète rien. Très bien d'avoir ça parce que ça veut dire que j'aurai 3 tireurs. Et si j'ai 3 tireurs, aura de vitesse d'attaque. Plus j'ai de tireurs et plus ils tirent vite, en fait. J'aimerais bien l'acheter, mais peut-être il faudrait que j'attende le prochain magasin. Ouais, on va attendre le prochain magasin, on va se casser. On se casse. On va au boss. Oh, ma pipou, hé ! Plus de canon, plus de bazooka, tirer sur Akiyusan, chargé. Mais non! Je vais invoquer un robot. Oh! C'est de la merde! J'ai invoqué ça, là. Et c'est Petit Guy! Oh, quoi? Ça devient un membre de l'équipe? On a un robot chelou dans l'équipe et c'est Petit Guy! Allez, je sors de l'ombre, je viens de couper Elden Ring. Oh! Alors, tu as combien de morts maintenant? C'est un Dalek? J'ai pas la ref. Est-ce que ça vient de Docteur Wu ou pas? Parce que moi j'ai l'impression de connaître ces robots, mais je sais plus d'où ça vient. Docteur Who, putain, ok, j'ai la ref. J'ai pas tout regardé Docteur Who, c'était il y a très longtemps. Dis-toi que c'est un jeu qui est rempli de références à la pop culture en général, d'accord? Bon, écoutez, il y a le boss. Il va y avoir des morts, c'est malheureusement quasi sûr. Parce qu'on a, trop de blessés, là. On a trop de blessés, les gars. Mais on a invoqué le robot, c'est déjà ça. Écoutez, fight! Fight, let's go, hein. I can be a ball of poo. Maybe, Ray, maybe. I hope for you, hein. Ball of poo. Je reste 2 minutes, hein, parce que j'ai un oral de français mercredi. Trollsome, parce que j'adore ce jeu. Oh, ma pipou. Courage. Force à toi. Force à toi, ma pipou. Des bisous, hein, si tu pars. Docteur Wu, j'adore. Dire que j'ai dit que c'est un robot de merde. Allez, fight. J'espère que Petit Guy va nous aider. Let's go. Oh putain, il va y avoir des morts. Oh putain, Ophi est morte. Rotor est mort aussi.
Ah, ils étaient faibles, ils étaient affaiblis. Hein. Ophi et Rotor sont morts. Ça fera moins de gens à soigner. Oh là 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 là. Rotor et Ophi sont morts. Ils sont même pas là, ils sont partis manger. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire. Hein, ils avaient qu'à être là. Hein. Cinquantaine à peu près. Ok, ok, ok. Parce que tu m'as dit 50 tout à l'heure, donc je me dis peut-être 58, mais non, tu vois, tu es une noob. Alors on a deux pouvoirs. Résurrecteur, fait revivre tous les humains tués dans cette salle, à l'exception de ceux traités dans l'ère de sacrifice. En gros, quand je perds un combat, si j'utilise cet objet direct, je réanime tous les humains. Donc là, je pourrais réanimer Rotor et Ophi. Mais en vrai... Destructeur, élimine tous les ennemis d'une salle, ne fonctionne pas en présence de boss. Non, on va faire ça, Résurrecteur, j'aime bien. Je sais pas si... Non, je sais pas si c'est vraiment utile, mais... Let's go, on va à l'étage 3, les amis. Oh là là ! Les yeux. Les humains découvrent un magnifique robot pendu au plafond par des bras articulés. Son plastique blanc immaculé et ses nombreux bras, armés de gadgets fascinants, ont un aspect bizarrement stérile dans ces lieux. Joli petit visiteur, j'aime vos jolis petits yeux. Surtout ceux des tireurs, j'ai de quoi les remplacer avantageusement. Faisons un échange. Mes implants bioniques amélioreront grandement votre précision. Échange, échange, échange. Non merci, donc réponse 1. Non merci, nous préférons continuer à utiliser nos propres yeux. Réponse 2, d'accord. Réponse 3, quelles sont les chances de réussite? Dominique, hey, salut, bienvenue. Comment ça va? Ça va bien aujourd'hui? Vous êtes faible, oh. Je vous ai pas beaucoup aidé, on dirait. Crois-moi, t'as fait le taf. En plus, tu fais partie de l'équipe maintenant, donc ça, c'est plutôt cool. On a vu le vrai visage du tyran. Bon, les amis, en gros, il y a un robot qui nous dit qu'il peut remplacer les yeux de mes tireurs. Et moi, c'est bien, j'ai deux tireurs et j'en voudrais plus. Et il paraît qu'ils seront un peu plus rapides. Mais je vais demander quelles sont les chances de réussite. 50-50. Soit vous vous retrouvez avec d'extraordinaires prothèses qui feront de vous des tireurs d'élite. Soit vous devenez aveugle et devez passer le reste de vos jours dans les ténèbres. Mais dans ce cas, je vous dédommagerai. Disons 30 pièces. Les amis... Vous faire voter un petit peu. Hein. Les amis, donc je répète avant que vous votiez. Je peux remplacer les yeux de mes tireurs d'élite par des yeux bioniques. Mais 50% de chance que ça foire. Je peux devenir aveugle ou devenir plus fort. Et si jamais je foire, ben je gagne 30 pièces. Moi, je vote d'accord. Ouais, des yeux bioniques. Ah oui, je vois, ça vote bien dans le chat, c'est bien. Moi, je veux les yeux bioniques. Après, peut-être qu'ils vont devenir aveugles. Hein. C'est qui mes tireurs? Il y a qui comme tireur? Il y a Silent So. C'est qui le deuxième tireur? Prions ensemble, mes amis. Ouais, c'est risqué, hein. Ça, vous votez tous des yeux bioniques. C'est bien, c'est bien. On garde les yeux. Oh, c'est vrai, Nao? Tu préfères garder les yeux? Moi, je vais toujours d'accord, sinon on le regrettera. Non, mais des fois, il faut pas, petit Guy. Hein. Des fois, il faut pas. Hein. Si jamais, Dominique, regarde, j'envoie dans le chat le résumé du jeu pour t'expliquer un peu c'est quoi. Hein. Retour pour vous dire au revoir. Bon, là, il va tous et à bientôt. Des bisous, Monsieur K. Et dors bien. À bientôt, mon bro. Hein. Des bisous. Tu veux nous faire voter, on est payé pour ça. On va pour regarder, rien faire d'autre. Oh le noob! Attends, quelqu'un? Est-ce qu'un modérateur peut ban Xenesis pendant une minute? S'il vous plaît. Un ou une modératrice, un modérateur ou un. Bon, vous êtes 10 à dire les yeux bioniques, je crois qu'on va pas attendre la fin du vote. J'attends la fin du vote ou pas? Oh les yas, yeah! Bon Xenesis, tu l'as cherché. Chez moi, pas de rébellion. Rébellion, extinction. Oui, c'est vrai. Mais Janice, il était déjà banni, le pauvre. J'ai confiance parce que c'est pas moi qui joue. Bon, allez, le sondage. On arrête, hein. Hop. On va tenter l'opération. Oups. L'organisme des tireurs a rejeté les implants neuro. Ils sont devenus aveugles. Le robot s'excuse, met leurs yeux dans un bocal et vous donne 30 pièces en guise de compensation. Vos tireurs vont désormais devoir se battre au corps à corps. «
Mes tireurs sont devenus aveugles. C'est votre faute. Pourquoi vous avez voté qu'on devait faire l'opération? Donc c'est qui? C'est Ronflex et Silent Saw. Ça dégoûte, mais un point! Un point! Eh ben, tu sais quoi? Du coup, on va laisser tomber les tireurs. Hein. J'avais rien pour eux aussi, j'avais un truc. Ah ouais, ouais. Cécité. La vue des tireurs est détériorée. Ils doivent désormais attaquer au corps à corps. Oh, ça veut dire que même si j'ai des nouveaux tireurs, ça le fait? Vas-y, je prends plus de tireurs. On va prendre un soigneur de ouf, là. Hop! Janice! Janice, tu vas devenir une soigneuse avec un défibrillateur. Hop! Voilà, tu vas bien soigner notre équipe. Il y a un frigo, là. Ça peut être bien. Frigo de Sanusi. Ouah, je pourrais up encore le magasin. Oh! Oh! Pardon. J'achète un humain. Merde. C'est qui? C'est Freezer. Freezer, on va t'acheter un cercueil. Freezer, tu as un cercueil, tu vas nous protéger. D'accord? Tu vas nous protéger désormais. Ok, et eh ben écoutez, c'est parti. Allons dans la prochaine salle. Re-Ophi! Ophi, tu es morte. Tu es morte dans le jeu. Sacrifie-les. Oh, tu pourrais le sacrifier contre de la bouffe, hein. Je pourrais les sacrifier contre de la bouffe. Attends, on va voir s'ils survivent ou pas ici au combat. Mais oui, je pourrais les sacrifier. Je pourrais sacrifier mes tireurs. Oh, petit gay, merci pour les 100 bits. Je m'excuse pour ce choix désastreux et invite mes neuf autres compères à te dédommager. Je m'excuse pour ce choix désastreux et invite mes neuf autres compères à te dédommager, Kappa. Ce serait la moindre des choses. Tous ceux qui ont voté, je crois que vous étiez 10, hein. Tous ceux qui ont voté qu'on devait faire l'opération des yeux, c'est vrai qu'un petit dédommagement, ça ferait pas de mal. Merci, petit Guy. Je vois qu'il n'y a que Nao de mon côté. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle t'a protégé? Ouais, tu es morte dans le jeu, Ophi. C'est dommage. Je vais vous défibriller. Puis il se battait pour me battre en premier. Donc, je rappelle un petit peu, il y a qui dans l'équipe? Nous avons Piwa, qui est soigneur ici, là, tranquillement. Il va soigner Silent Saw, qui va sans doute mourir. On a Ronflex, aussi. On a Freezer, l'infranchissable. Nous avons Janice, le marabout. La marabout. Jackie Wells, le roux. Je sais pas pourquoi roux. Merci Riddler pour les 30 bits. Voilà, j'ai vidé mon compte. Yeah, merci Riddler. Allez, il n'y a plus que 8 personnes qui doivent se dédommager, là. Hein. Enfin, me dédommager. Hein. Merci Riddler, tes gros cœurs. En même temps, je suis presque morte en vrai. Oh, mais Ophi, t'es plus en gueule de bois quand même. T'es juste fatiguée, là. Hein, hmm. Courage, Ophi. Nous avons Petit Guy, le robot de Dr. Wu. Nous avons Kurokawa, le magnifique magicien ici. Un autre mage, Skeden, le gris. Stylé. On les fight. On a le drone qui apparaît, qui n'a pas de nom. Le drone qui s'appelle Victoire, apparemment. Oh, les défonce. Janice qui offre un sub. Merci pour le dédommagement. Merci, merci. Merde. Merci beaucoup, Di. Pour Ray. Oh, Ray, you have my emote now. Let's go. Thank you. Merci, Janice. Merci beaucoup. Mon armée commence. Préparez-vous les modos. On fera pas de cadeaux. Comment ça? Ah, parce que maintenant, tu fais équipe avec Genesis pour foutre la merde, c'est ça, hein? Pour le dédommagement. Plus que 7. Il n'y a plus que 7 personnes qui ont voté qu'on devait faire l'opération. À cause de vous, on a perdu des humains. Enfin, ils sont toujours là, mais ils vont mourir, ils sont aveugles. Donc, bon. On va acheter de la bouffe, on va se mettre bien. Ah, j'ai pas beaucoup de thunes. Allez, on claque. Alors, je peux aller en haut ou à gauche? Je vais en haut ou à gauche, les amis? Le premier qui dit. Premier ou la première? Haut ou gauche? Le premier, je le suis. De toute façon, on ira partout. Hein. First gift sub. Oh, c'est vrai? Oh, Ray, let's go! Haut, hop! T'as vu, Janice? C'est la première fois qu'il reçoit un sub quelque part. Ok, fight! Ah, j'avais dit que je les sacrifiais peut-être, les tireurs. Oh, on les déglingue trop, là. Oh, les os! Merci pour le sub offert! Ah, Ophi! Let's go, Ophi! Oh, il y a un bug à ce moment-là. Vous avez dû le ressentir, là. Vous avez dû ressentir le bug, non? Merci beaucoup, les os. Il n'y a plus que 6 personnes. Pour le dédommagement. S'il n'y a pas encore 6 personnes, je vais être obligé de les sacrifier pour de la nourriture in-game. Ça, je dis rien, mais voilà. Merci, mon bro. Merci beaucoup, les gosses.
Fatigué, mais si je me pose, j'avance pas. Le boulot et ma semaine est chargée un petit peu trop à mon goût. Oh, Ophélie. C'est compliqué, hein. Faut que t'arrives à trouver le temps de te reposer, hein. Sinon, tu vas péter un câble. Je lance le train. Il était pas déjà lancé, mon vieux Léos ? Il était pas encore... En fait, il était pas encore lancé. Ma générosité n'a pas de limite. Janice. Généra, je donne rien, j'économise. Ouais, c'est ça. Alors, les amis. Ray, I have cécité on my shooter. Ok, my shooter are blind. Ok. So, it's for all my future shooter or just the shooter I have, enfin, already, tu vois, you know. Hein? Tu comprends ce que je dis un peu, Ray? Sorry for my English. Because I see Destructor. J'ai pas assez d'argent. If I have a new shooter. Est-ce qu'il va être... All shooter, fuck! Ok, so no shooter. Y'a plus de shooter. No shooter, mais non. L'anglais désastreux. My English is bad, but... You all, hein? You all have, understand? What, hein? Vous avez tous compris ce que je disais. It's okay, alors. I have to sit on my shooter. Tiggy, tu rigoles de moi, là? Don't worry, be happy. Je vais pas... Non, je chante pas aujourd'hui. Allez, fight! Mais il connaît le jeu, il peut être. En vrai, il connaît le jeu, c'est pour ça que je lui demande des conseils. Étincelle aléatoire. Chaque fois qu'une capacité active est utilisée, un ennemi au hasard subit 50 de dégâts magiques. C'est sympa. C'est sympa. Mais j'ai pas encore de capacité pour l'instant. Déjà vu, vous permet de remonter dans le temps une fois. À une époque où tous vos humains chétifs étaient encore en vie. On a déjà un résurrecteur pour les combats. Ouais, non, ça sert à rien, ça. S'il y a plus d'ennemis que d'humains, chaque humain reçoit plus 10 d'armure. Chaque ennemi supplémentaire. Oh, merde. De toute façon, si j'ai plus de shooter, on va peut-être prendre des gens à l'épée. Hein. On veut focus les magiciens. S'il y a plus d'ennemis... Allez, tu sais quoi, oh. J'aurais dû prendre le truc d'avant. Les bretteurs détruisent 20 de mana à chaque ennemi. Enfin, à chaque attaque. J'ai envie de faire des magiciens. Je veux des mages. Je veux des soigneurs. Et je veux des tanks. Je ne veux plus de tireurs. Qu'est-ce que je prends? Je prends des bretteurs. Classique. Vous dirigez vers les gens aux épées alors? J'ai une épée ici déjà. On va prendre ça. Ok, on va se faire une équipe de soldats après. Eux, on va les sacrifier. Let's go to the top. Yeah! Take Valor. Oh! What is Valor? Sorry. I didn't see your message. Merde! Ah ouais, oui, pour les tâches des zombies, ça aurait été super pratique, ouais. Ouais, ça aurait été très pratique. But... Des bisous, Nao. Des gros bisous. Oh, Xenesis qui va reprendre sa douche. A tout à l'heure, Xenesis, bonne douche. Et Nao, des gros bisous, hein. Des bisous, que du love ici, hein. Ça va? Prends soin de toi, hein. Vous avez loupé le train. Le train hype est déjà parti depuis longtemps, ne ratez pas son prochain passage. Comment ça, j'ai loupé le train? Il y a eu un train hype, non? Pourquoi ils disent que j'ai loupé le train? Anglais, what the fuck. Oh, Riddler, laisse-moi tranquille avec le clip, c'est quoi, ça? Bon, ok. Fight. Ils n'ont aucune chance. Non. Alors, un bâton de chaman. Oh, Sailor Moon! Pardon, je
crie beaucoup fort. J'ai combien? J'ai 40. 34. Oh, je peux prendre ça et un soigneur en plus. Je pourrais prendre les deux, là, si je voulais. Ah non, je peux pas. Merci. On prend Sailor Moon, hein. Vous connaissez Sailor Moon? D'accord, c'est mage. Qui va devenir Sailor Moon? On va voir ça tout de suite. Akilusan! Akilusan va devenir Sailor Moon, les amis. Tron! Et I want to... Ouais, bah oui, j'ai deux soigneurs. Quand j'ai... J'ai un, deux... J'ai trois soigneurs différents. Si j'en ai quatre... C'est quoi? Bah, c'est quoi? Je veux un quatrième. Je veux un autre soigneur. Je veux un autre soigneur. C'est qui? C'est Ray. Ray! Oh, Ray! You don't want... This, hein? Ray, il veut le... Ray, il veut ça. Ray, il veut... C'est où? Il veut ça. Un cacaillou. C'est vraiment une boule de merde et ça sert de défense. Yeah? Ouais? Are you sure? Est-ce que... Tu es sûr de ça ou pas? Not I will die. Ok. On a plein de soigneurs, mais non. Allez, c'est parti, on est là, on va là-bas. Alors, j'ai pas tout suivi. Alors, tu es devenu Sailor Moon. J'ai vu Akilu Moon. Tu es ici, Akilu-san de Brocéliande, hein. Bon, tu es Sailor Moon, ok. Tu as des pouvoirs magiques. Observez Akilu-san ici. Tu es une femme, écoute. What the hell is going on? Moi, si je suis dans l'armée, je veux taper sur tout le monde. Écoute, je te donnerai une épée, normalement. On va sacrifier, il y a des personnes qu'on va sacrifier. Sailor Moon, regarde, elle jette des cœurs. Enfin, il. On achète de la bouffe, voilà. Mais non, c'était pas ici. Quand il y a des petits points sur les côtés de la salle, je peux me téléporter. Et comme ça, je peux voir ce qu'il y a dans cette salle ici. 1, 2, 3, ça fait 1, 2, 3. Pour aller tout droit. Y'a rien, juste un combat inutile. Ah si, mais non, y'a un magasin, je suis con. Mais j'ai pas d'argent. Attends, y'a une épée. Là, il va falloir économiser pour les prochains trucs. Hein. Si je là, ça fait 1, 2, 3, ouais, et là, 1, 2, 3. Ouais, oui, non, je me répète, mais... Let's go. Let's go to the boss. Si je reviens, je veux juste pas mourir. Oh, Ophi, c'est mignon. I want to hit top 1 and Grandmaster with healer. What the fuck is a hat? What do you mean by a hat? What is hat? Titi level 113, oulala. Bon, allez, le boss. Hit. Ah ouais, c'est sans doute hit. I want to hit top 1 and Grandmaster with healer. Yeah. Ouais. Learn how to script, hein. Ok? Before talk in the chat, hein. If you don't ban, hein. My English is very, very good. Fight! Let's go! Oh my god! Regardez là qui est en première ligne ici, là. Personne ne perd de vie, on a tellement de soigneurs, les amis. On a tellement de soigneurs. J'ai même de quoi soigner ici. Soin de masse. Restaure 30% des PV max de toutes les unités. Et j'ai un résurrecteur déjà, donc je vais pas prendre deux résurrecteurs. Ou je pourrais. On aurait deux résurrecteurs. Si quelqu'un meurt, je peux, boum, réanimer directement. C'est des lunettes pour le gaming? Ouais, c'est des lunettes pour les lumières bleues. Donc j'ai moins mal aux yeux, quoi. La lipoète. Loot débarque et te dit bravo pour les lunettes. Yeah, merci. Merci le loot.
Retourne dans l'ombre, prenez soin de Akilu Moon. Akilu Moon. Et tu nous diras comment ça se passe, hein, ton jeu F1, là. Sur tes impressions et tout, parce que ouais, j'aimais bien quand j'étais petit. Ray! What I should you... I should take... I take Resurrector? Or heal for everyone? I have already Resurrector. Tu es là ou pas? Rotor, tout à l'heure, est-ce que t'es mort, Rotor, ou pas? Je crois que... Attends. T'es pas mort tout à l'heure? On va faire un petit rappel. Nous avons Janice... Non. Nous avons Kuro, magicien. Nous avons Skeden, magicien. Nous avons Janice, soigneuse. Nous avons Petit Guy, robot. Nous avons Freezer, l'infranchissable. Nous avons Aki, Lusan, Sailor Moon. Nous avons Jackie, la soigneuse. Nous avons Ray, le soigneur. Nous avons Piwa, l'autre soigneur. Bah ouais, tu es mort, Rotor. Tu étais là tout à l'heure. Silent So et Ronflex, les deux tireurs. Les tireurs aveugles. Il est mort avec Kofi, voilà, c'est ça. Heal is better. Let's go. Je vais essayer de retrouver mon volant. J'ai joué vite fait à la manette, mais bon, c'est pas la même sensation. Ah, si t'avais un volant, mec. Ah oui, oui. Ouais, oh, let's go, Aki. Hein. Ça roule, c'est cool. Bon, let's go to the... quatrième étage, les amis. Alors. La roue de l'infortune. Les humains se retrouvent nez à nez avec l'hologramme d'un squelette souriant, qui a perdu la majeure partie de sa peau fluorescente. Il se tient à côté d'une grande roue, ressemblant à une cible de fléchette géante. Faites tourner la roue, faites tourner la roue, faites tourner la roue. F417, quoi, tournoi la roue. Ah non, faites tourner la roue. Cet hologramme a de toute évidence quelques problèmes. Vaut mieux ne pas tenter le diable, faire tourner la roue. Ouh! Alors, il y a une sorte de... un hologramme de zombie qui a la moitié de sa peau morte qui nous dit de faire tourner une roue. Est-ce qu'on fait tourner la roue ou est-ce qu'on se barre? Choix 1. Vaut mieux ne pas tenter le diable. 2. Faire tourner la roue. Oh, désolé, Ophi! Bah, prendre des risques, c'est marrant, hein, mais... ça se trouve, c'est pas une bonne idée. Ça, vraiment, ce jeu, ils m'ont déjà donné des bonus, et des fois, pas du tout, quoi. C'est vrai être à la lipouette, hein. C'est vrai, hein. Tourner? Attention, faudra me dédommager, les gens. Si jamais ça tourne mal. Sure, I can say you're the correct... Non. Non, Ray. You can vote in the chat, but... don't tell me, don't spoil. If I have to make mistake for learn the game, it's okay, it's normal. Choisis toujours les trucs à risque, ça fait du contenu. Voilà, bon, vous êtes 7 à dire on fait tourner la roue, donc je crois qu'on va faire tourner la roue. Hein. Fais pas que je sois tant qu'une petite chose fragile. Ah, oh, c'était pas le bon rôle pour toi alors. Désolé, Ophi. Merci, Rotor. Mais c'est bien, il a demandé, donc c'est cool. Bon. Bon, j'attends pas la fin du sondage. On fait tourner la roue. Vous êtes tombé sur panique. Laissez-moi vous rappeler la question. Quel est le sens de la vie? Vous êtes, donc, on a tourné une roue, on est tombé sur panique. Laissez-moi vous rappeler la question. Quel est le sens de la vie? Je peux juste dire rien, enfin trois petits points, genre... Hein? Exactement, vous gagnez la mutation panique. Désormais, vos nouveaux fuiront les ennemis. Et ces derniers les poursuivront. L'hologramme est soudain remplacé par un cube de pixels noirs et blancs. Vos nouveaux ont l'air plus faibles qu'avant, mais ça pourrait être utile. Ok. Oh, Petit Guy, non, non, non. Non, 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 non. Ça se trouve, c'est ok. Ray, wait, one minute. Désolé, rire. I have one question for you, Ray. Wait, one minute. Guerrio, salut, et Petit Guy, merci beaucoup. Merci. What is a newbie? Newbie is a human white out.
Whiteout object? Objet? Rien? Attends, pourquoi je trouve pas le mot? Weapon. Je trouvais plus le mot weapon. Newbie, it's a human. Whiteout weapon? Weapon? Or, newbie... All newbie, all! All newbie I want in my team. With the whiteout weapon, it's the same thing. When whiteout an item, it's a newbie. Mega newbie doesn't count. Okay. So, if I buy one human and give him one weapon, it's okay. It's not that thing. It doesn't count. Yes, of course. Attends, what? Prendra moins de dégâts les mobs au cac. Mais en fait, c'est bien d'avoir des humains du coup qui vont fuir, ouais. Mais il faut quand même faire attention, il me faut quand même des humains qui combattent, quoi. Ok, thank you, Ray. Ok, thank you. You can go in the shadow, ok? Thank you, Ray. Oh, c'est cool d'avoir quelqu'un qui connaît un peu le jeu. C'est cool. Mais du coup, c'est bien, vous avez compris. Donc, tous les humains qui sont tout nus, ils vont, quand quelque chose les attaque, ils vont courir. Et les ennemis vont courir après lui. Ça peut être très pratique. Donc, on va s'acheter un humain qui ne va rien faire. C'est Riddler. Riddler va courir partout dans la salle, d'accord ? Ça peut être pratique. Ça peut être pratique. Why not, hein ? Alors, les tireurs, est-ce qu'on les sacrifie, les tireurs, là ? Est-ce qu'on sacrifie les tireurs ? Pour acheter ça, par exemple. Bâton de chaman. On nous fait un magicien en plus. Et un nouvel humain. C'est Mumu. Mumu, tu vas devenir un chaman. Oh my god! Il a deux têtes. Mumu. Oh Mumu, Mumu, trop fort, Mumu. Et alors, on va sacrifier. Alors, on a Silent Soul niveau 3 et Ronflex niveau 2. Ronflex, on va le sacrifier. Ça m'a donné de la nourriture. Ronflex, on t'a mangé. I am so sorry, Ronflex. Silent Soul, on va le sacrifier aussi. J'ai pas besoin de... Je peux le garder un tour en plus. On peut le garder un tour en plus et on verra plus tard. On verra plus tard, ok? Mumu! Regarde, Mumu! T'es devenu quelque chose d'ultra balèze, là. T'as deux têtes et t'as l'air d'avoir un truc. C'est quoi que t'as eu exactement, Mumu? Tu as eu? T'es donné ça. Un bâton de chaman, mais ça ressemble à une épée imprégnée de magie... Hein? Trop cool! Je t'avais mis là. Je suis pas très sportive, alors défendez-moi bien! Riddler! T'as peur de les laisser tout nus. Mais c'est pas ma faute! Regarde, il y en a certains, j'ai de l'argent pour les habiller, il y en a d'autres, j'ai pas eu. Akilusan, on lui a donné une jolie robe, une perruque. If you want to go mad, make sure you have another magic damage. Yes, but. Attends. Augmenter des trucs ici. Bonus de mana. Ça coûte 10. Ok. Test d'attaque, bonus défense magique. Trop rapide. Ah, les dégâts magiques pour humains. Oh, oh là là, 15, 20 et 20. 30% de dégâts magiques. Faudra qu'on aille là, hein, les amis. 30% de dégâts magiques en plus. But. Oh, ok, on va aller là. Tigui dans l'ombre, ça roule. Oh, Elise Bounce. Hey, comment ça va? Ça a l'air d'aller mieux ton PC. Écoute, on a perdu 10 000 images depuis le début du stream. Regarde, là, au moment où je dis ça, boum, ça vient de rechuter. Mais c'est pas grave. C'est un jeu qui est fixe. C'est pas Metro Exodus, donc ça me dérange pas, du coup, quoi. Ced, des bisous? Ah ouais, va dormir, Ced. Hein. Prends soin de toi. Hein. Des gros bisous, Ced. À bientôt. Hein. Ça va? Les petits gars en lurk. Hein. Je suis arrêté pour exhibitionnisme. C'est toi qui me dédommageras. Mais écoute, t'as qu'à courir. Tu te feras pas arrêter, Riddler. Oh non, j'ai perdu un petit truc, quoi. C'est pas très important. C'est un peu le chat.
Tu seras alors dans ton élément alors, car plus aucun... Attends, quoi ? Hein ? Ah oui, j'ai alors ton premier message. Il est bien nouvelle saison. Ah, tu demandes à Fafa. Hein ? Bon, après, est-ce que ça se comporte à... Oh, Ray ! De l'amour pour tous, Ray ! Qu'est-ce que j'allais dire, Guerrio ? Ouais, Fortnite, même s'il n'y a plus les constructions, faut pas comparer ça à Battlefield ou Apex, hein. C'est quand même pas la même chose. Ah, les poètes dans l'ombre, ça roule. J'ai aucune piste sur le problème, Bounce. Et, même ta cam est parfaite, mais c'est à certains moments, c'est que vous regardez pas au bon moment. On serait dans... désolé pour cette petite pause, les gars. On serait dans Metro Exodus, où là, vous me verrez vraiment bouger la caméra tout le temps. Vous le verriez, en fait, c'est sûr. Mais ça se voit pas quand je suis en Just Chatting ou quand je suis dans ce jeu. D'accord ? C'est pas à chaque fois, donc... Mais bon, c'est clair que c'est pas grand-chose, hein. Apex Masterclass. Fafa, on fait du Apex, hein, bientôt. Les amis, je rappelle. Dimanche, on fait le Bulti. Événement où je joue avec vous à tous ces jeux. On va faire du Apex, du Pokémon Diamant et Perle Remake, du Clash Royale, du Rocket League, du... comment ça s'appelle ? Gartic Show et du Marble. Voilà, voilà. Comme ça, vous savez. Le Bulti. Le dédommagement pour tout à l'heure. Merci pour les 4 euros, Kuro. Et merci pour le dédommagement. Merci beaucoup, Kuro. Tu es sur OBS Studio ? Ouais, je suis sur OBS. Sur OBS. Pourquoi, t'as une piste en tête ? Après, ça fait des années que je suis sur OBS. Hein. Là, ça fait 2 fois que ça lag comme ça. Donc, tu vois, là, ça repart un peu dans le rouge. Et c'est vraiment des images du haut réseau. Hein. You play Clash Royale ? Yeah, Ray ! I have a clan. I give you the code for join my clan. If you want, Ray. Let's go, hein. C'est moi, il crash tout seul depuis la semaine dernière. Mais il y a eu une mise à jour, ouais. Il y a eu une mise à jour. Alors moi, j'ai pas de crash, mais... le problème, c'est que c'est des images perdues dues au réseau. Donc, c'est pas... C'est vraiment le réseau, quoi. Donc, c'est un autre problème. Hein. 6000 trophées ! I play Clash Royale for like 2 months. And I have 4000 ? Comment on dit 4000 ? For quoi ? 4000 ? I am this close of 5000. This close. Ok ? Thank you. Merci les gars. In a clan with friends. Ok. It's ok. Let's go, Ray. Mona, comment tu vas ? Pause de 5 minutes, courage pour le taf. Hein. Les amis, désolé, nous aussi on fait une petite pause, on discute un peu. Ça se fait tout seul, c'est comme ça. Hein. Parce que la force de me lever, j'espère que mon perso gère, car je suis plus en état, moi. Oh, Kuro ! Kuro. Est-ce que t'es malade aussi ? Ou pas ? Force à toi. Hein. Et merci les gars pour le Thousand. Merci d'avoir répondu. C'est lié à la connexion. Elle envoie plus qu'à ton réseau, je pense. C'est géré par OBS, puisque c'est lui qui capte le problème, je pense. Je pense aussi, ouais. On verra. Hein. Là, je suis à 10274 images perdues. 3% d'images, donc ça fait... Depuis le début du stream, j'ai perdu 3 images sur 100 à chaque fois. C'est pas ouf quand tu joues en FPS. Enfin, ou sur un jeu où la caméra bouge, parce que ça se voit. Mais bon, là, ça va. Il y a les tanks, donc ouais, c'est ça, Guerrio. Mais ouais, mais peut-être que je testerai. Peut-être, Guerrio. Peut-être c'est le moment de tester, hein. Mais déjà, je voudrais faire du Apex, donc on va voir. Hein. Sur Apex, je pourrais jouer avec toi. Ben, Fafa, viens dimanche. Et il y aura de fortes chances que tu joues avec moi, ouais. Tout le monde dans le chat pourra jouer, donc je piocherai à chaque fois. Avec les gens qui sont présents, etc., etc. Ça va ? Au premier jour du printemps, il fait beau et assez bon aujourd'hui. Oui ! C'est le premier jour du printemps et c'est vrai qu'il faisait magnifique chez moi. Il faisait super bon. Oh. Profitons, sortons dehors, regardons les plantes pousser et... Enfin non, peut-être autre chose, mais... Profitons du printemps. Bon, let's go to the game. On se rappelle, on a Reader qui est toute nue ici, qui va attaquer, mais dès qu'elle se fait attaquer, elle va courir. Donc ça va faire courir les ennemis après. On vient d'arriver au niveau 4, les amis. On est au début du donjon. Let's go to the top.
Ah oui, et il faut pas oublier, je vais focus la magie, donc ce serait bien qu'on aille là. 30 dégâts de magie en plus, ce serait vachement bien. Oh là là, what is... Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Oh fuck. Oh, regardez, regardez, il court après Riddler. Oh Riddler. Oh Riddler est morte dans un coin. Riddler, t'as couru, tu es morte si vite. Tu es morte si vite. Ton personnage, il s'était mis comme ça, dans un coin. Profitons, les allergies sont là. Tout le monde tombe malade. Hein. Tout le monde se tape des pharyngites, hein, comme moi. Donc pour le premier jour du printemps... Merde, tu relis le même message. Constructions reviendront d'ici une semaine et 9 jours. Putain, ça va aller vite, hein, Guerrier, oh fuck. Hein. Bah, j'aurai le temps. Hein. Quelle défense en carton. Mais ils sont passés trop vite. Pas ma faute. Oh, Ray. Une boule of poo. Oh. But I have no money for that. Hey. Let's go to the... Sorry, Ray. Les courriers devraient arriver la semaine prochaine au studio. Oh, trop bien, Ophi. Moi, j'y vais mercredi et mardi prochain, du coup. Enfin, c'est clavier-souris et je suis pas ouf. Bah, mec, t'inquiète, moi, j'étais diamant sur PlayStation 4, sur Apex. Et là, je suis passé clavier-souris et ça fait 4 mois que j'ai pas joué au jeu. Voilà, j'ai joué une fois clavier-souris, j'ai bien aimé, mais t'inquiète. La magie fait si mal. On fait si mal à distance. C'est insane. Bon, par contre, je vais sacrifier Silent So. Désolé, Silent So, sorry. De toute façon, il est plus là, il parle plus. Silent So, tu es mort. Désolé, Silent So. Let's go to the top. Fight. Oh, samouraï robot. Oh non. Oh non 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 non. It's okay. C'est ok. Ça, on est tout le temps soigné. Ok, il va me falloir plus de force de frappe. Il va me falloir plus de force de frappe. Je fais pas du tout assez de dégâts. Mais c'est normal. En même temps, on a perdu beaucoup de combattants. Ça, c'est cultiste. Soin. What? Ah, les soigneurs peuvent revenir à la vie une fois par combat, avec 20% de leur santé s'ils ont 120 de mana. C'est beaucoup de mana à bot. Qui sait? Bon, il faut qu'on achète des armes, là. Moi, c'était il y a longtemps, Fafa, en vrai. Hein. C'était il y a longtemps que je suis passé diamant. Maintenant, ça a changé. Are you saying I'm poo? Non, non, Ray. You are not poo, but you love poo, and it's okay. It's okay. It's your life, you know? Ray, let's go. J'y retourne. Oh, Mona. Des gros bisous, Mona, et force à toi pour le boulot. Hein. Des gros bisous. Et un mercredi, hein, j'ai hâte d'être mercredi. Les amis, mercredi, je vois Mona. On sera en stream ici, c'est elle, Mona, elle est là. Chez Contact Stream, on va parler, on va discuter, mais on va aussi faire du Wii Sport. Voilà. Ça va? Bon, allez, fight. Il nous faut des combattants. On fait pas assez de dégâts, mais... Enfin, ça va, mais... Si, ça va, on fait quand même des dégâts, mais... Oh, la magie. En fait, c'est parce qu'ils mettent du temps à tirer, mais quand ils tirent, ça fait si mal. Alors, oh, un objet de soin de dingue. Non, je peux pas. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir, là? On avait dit qu'on prenait un bretteur. On peut prendre une tronçonneuse. Hein. On va acheter une tronçonneuse. Avec un humain. Oh, bounce! Bounce! Tiens, tu as une... Attends, on va attendre. Là, je change. Oh, ball of poo. Et Guerrillo. Guerrillo, je vais te donner l'épée de dingue. Guerrillo, regarde. Guerrillo, c'est toi, là. Guerrillo de Geros, to be comme dans Nier Automata.
Et Guerrio, tu vas te mettre ici, à côté de Mumu. Les deux modos, là, regardez ça, là, ils ont tous les deux des objets de dingue. Et alors, pour Bounce, on va lui donner la tronçonneuse. Regarde ça, hein. Regarde ça, là. Regarde, t'es devenu qui, là, Bounce? Et on te met ici. Et voilà, là, c'est bien. Là, on est bien, là. Je vais mettre les soigneurs plus en avant. Hein. Let's go to the top. Ça dit quoi? Oh, il y a une pièce en bas que j'ai oublié de prendre. Il y a une pièce en bas que j'ai oublié. Let's go, on fait si mal. Nourriture, on achète full nourriture. Voilà. Maintenant, on va descendre. On va aller jusqu'à la salle en bas ici, d'accord? Voir ce qu'il y a. On pourra se TP après, donc ça, c'est bien. Donc là, je vais perdre beaucoup de nourriture pour y aller, malheureusement. Oh, il y avait un truc, là. Ah, il y a de la nourriture, du coup. Ah, on a de la bouffe, là. On faille. Je la veux, RIP. Mais Fafa, mais t'es pas dans l'équipe encore. Je suis désolé, Fafa. C'est pas tombé sur toi. C'est le hasard, hein. C'est le hasard, hein, Fafa. Je rappelle que c'est que des viewers, ça. Mais c'est le hasard qui veut ça. Nous avons Guerriero de Garros, Piroisset, Mumu, Jackie, Akilusan, Ray, Freezer, Bounce, Elise Bounce, je bug avec ton pseudo, hein. Janice, Tiggy, bah, Bounce, oh, tu avais déjà cliqué dessus? J'avais mis ce clic là. Skeden et Kurokawa. Ouais, c'est bien, on a une bonne force de frappe là, on est pas mal, hein. Là, au cas où crier, hein. T'inquiète, Rotor. Oh, I don't have money for that. L'épée laser, là, ça aurait été si bien. Avoir un bretteur en plus. Fuck. Depuis le début, j'attends. Je suis désolé, Fafa. Peut-être la prochaine partie, hein. Encore une salle en dessous? Là, on a 26. On pourra acheter. Let's go fight! C'est bien, on les fait vraiment mal. Hein. Par exemple, je vais R6 un peu. Bonjour à toi, Rotor. Bonjour à toi. J'avais pas vu ton deuxième message. Ton jeu. Enfin, ton premier. Damn! Ça te fait kiffer ou pas que tu sois... avec le masque de... Hein? Ça te fait kiffer, Bounce? Super, les modos sont badass. C'est moi à poil qui court et agitant les bras. Le statut vide n'est plus ce qu'il était. En plus, tu es morte. Tu es morte. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a de nouveau un objet de soin de malade. Mais on va changer. On a une tronçonneuse. Fuck. On va changer. Mais on a vraiment pas ce que je veux, hein. Ça me coûte cher de changer à chaque fois. Hein. On change. À nouveau un objet de magie, un bâton de chaman intéressant. Il serait bien d'avoir un truc différent, quoi. Parce que je repaye encore une fois, je viens de claquer 10. Putain, tout ça pour rien. Bon, cassons-nous. Ouais. On va faire 1, 2, puis salle de bouffe. Ici. Oh, la nourriture! J'ai plus de nourriture! Bon, on va s'acheter de la bouffe, hein, moi je vous le dis. Hein. Du coup là, je perds 40% de d'armure et de dégâts. Parce que mes humains ont faim. En fait. Ça va, y'a personne qui meurt. Tout va bien. Nourriture. Hop, hop. On se remet bien, on achète tout. Hein. Là, on claque un peu nos thunes, c'est pas grave. J'aurais pu me TP. Ouais, bah tout, c'est pas grave, trop tard. À la limite, j'achète de la bouffe. On se met bien. Est-ce que je peux me TP là? Non. C'est parti pour le boss. Un petit digestif pour digérer ma mort. Mais Ophi, t'as toujours pas digéré ta mort dans le jeu. Sully, bon, je finis de manger, je sors de l'AFK. Ça roule, Sully. Eh, bon appétit. Hein. Pour ce n'est-ce, quel plaisir. T'aimes bien découper les gens, toi? Tu me diras ce que t'as mangé, hein, Sully. Bon, c'est parti pour un fight important.
Let's go. Donc ça, c'est les morts qu'on a déjà eu dans ce niveau. Est-ce qu'on aura d'autres gens qui vont s'ajouter à cette liste? Fight! Oh putain! Ça va, ça se passe bien. Chaque fois, le drone est soigné de ouf. C'est le drone qui prend le plus cher, mais... Alors, on n'a vraiment pas une assez grosse force de frappe. Hein. Il nous faut plus d'attaque, les amis. Il est solide. Hein. Après, ce boss-là, on le sait. À chaque fois qu'on a joué à ce jeu, ce boss-là, il a beaucoup de... Putain, mais j'ai pas... Let's go. Next room. Next floor. Prochain étage. On est au niveau 5. Tablette. Les humains trouvent un artefact ancestral. Un ordinateur de la forme d'un rectangle plat d'environ 8,99 pouces. Une seule application est installée sur la tablette. Elle s'appelle TikTok 2022 Archive. On est dans le futur dans le jeu. Hein. 1. Est-ce qu'on lance TikTok? 2. Démontez cet instrument du diable, vous y trouverez peut-être à l'intérieur quelque chose qui ferait office de pièce. Moi, j'attends mon sabre laser. Écoute, j'espère pour toi. Hein. Votez les amis, votez. Il en rajoute, en plus tu es morte, quelle tristesse. On change le mode d'action, pas semelle 148. Oh, je suis si désolé, Riddler. Tu sais qu'on t'aime. Mais c'est vrai que quand je t'ai vu courir toute nue, te cacher dans un coin et te faire pourchasser par les robots géants, c'était insane. Je suis désolé, Riddler. C'était vraiment trop drôle. Et adore. Tu adore. Ouh. Et ouais, il y a eu pas mal de level up. Hein. Riddler 148, c'est lourd, hein. Bounce level 30, Mona level 17, Piwa level 10, Fafa level 14, GG à vous. J'ai pas regardé les votes, tiens. Démonte la tablette. Personne veut que j'ouvre TikTok? Vous savez que si j'ouvre la tablette, si je la casse, ça va peut-être juste me donner des pouvoirs pour les intellos, mais j'ai pas d'intello. Donc moi, par curiosité, j'aurais ouvert TikTok, mais bon. On voit que vous aimez pas trop TikTok, quoi, ça c'est sûr, hein. Oh, l'eau, c'est tellement bon, les gars. Il vous reste 30 secondes, vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr, hein? Ah, c'est tellement du bien de l'eau, les amis. Buvez de l'eau, c'est important. C'est sûr? Moi, je suis là depuis plus d'un an. C'est vrai, Fafa? Eh bah, dis donc. Bon, vous voulez vraiment que... Par pièce, j'ai cru de l'argent. Ça aurait été bien, mais j'ai un gros doute, hein? Allez, le vote... Il reste quelques secondes, mais à mon avis, c'est plié. En effet, seulement 9 pièces, mais c'est mieux que rien. Oh! Oh! Bien, bien vu, les gars! Cette fois, vous ne devrez pas me payer de dédommagement, parce qu'effectivement, on a eu 9 pièces. Bien vu, Piwa, parce que j'aurais pas cru. Hein. I go to the near. Ah! Bon appétit! Ray, thank you for being here with us, and thank you for your advice. Bye bye! Let's go! Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Rien d'intéressant. Suivant. Rien d'intéressant. Suivant. Toujours rien d'intéressant. Je paye une dernière fois. On a une autre épée de Guts. Bah, avoir deux Guts, ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être bien avoir deux guts. Deux comme ça, là. Non? Et je pourrais acheter un autre humain pour lui donner cette épée nulle, ou j'achète celle-là aussi. Hop, 1. Il me reste 13. Hop. C'est qui? C'est Natalia. Oh, Natalia, des gros cœurs sur toi, Nata. Nous avons Nata et Jackie dans l'équipe. Attends, Jackie est morte ou pas? Non, hein. C'est une soigneuse. Ah non, voilà. Bon, Natalia qui a ramassé une épée de dingue, qui va combattre aux côtés de Bounce ici. Et alors, je pourrais acheter un autre humain et donner cette épée-là. Comme ça, j'aurai un bonus de coup critique.
avec trois épées différentes. Mais c'est pas la meilleure épée, c'est que la deuxième, c'est Excalibur. Fafa ! Fafa, it's you ! Fafa, tu es là, Fafa, enfin ! Rogue Genesis, je vois que ça avance. Écoute, doucement mais sûrement, on est au niveau 5. On sait que ça va devenir très difficile. Fafa, est-ce que je t'achète cette épée, Fafa ? Ou est-ce que j'attends ? Peut-être qu'il y aura une meilleure épée plus tard. Moi, je veux bien attendre, Fafa. Je sais que t'as envie de l'épée laser, donc... Sully, t'as fini de manger ? Je te donne pas d'épée, on attendra d'en trouver une meilleure pour toi. Oh, let's go, on a des docteurs Octopus, là, en face de nous. Oh ! Fafa, tu vas mourir, Fafa ! Fafa, tu es mort ! Mais tu es mort si vite ! Putain, si là, il y avait eu une épée directement, j'aurais fait « Oh, le pauvre !» J'ai quoi comme arme ? On a... Attends, comme mage, on a ça, on a ça. J'ai pas de, mage avec une petite truc comme ça, avec un anneau enchanté un peu nul. Pourrait être bien d'avoir un mage en plus, non ? On a lui, qui a le chapeau de lapin... Kuro a le chapeau de lapin. Skedon, il a une bague, mais beaucoup plus forte. On a Mumu, qui a ce truc-là, le bâton de chaman. Et Akilusan, qui a la tenue de Sailor Moon. Si je prends ça, on aurait un objet de mage en plus. On aurait tous les objets de mage. Ce serait pas mal, on aurait le bonus au maximum. Moi, ça me semble intéressant. Donc, je vais acheter un humain. C'est Leios. Leios, tu auras l'objet de magie le plus nul. Mais c'est pas grave. Natalia dans l'ombre. Regarde ce que tu as fait, ce que tu fais de ta communauté, Natacha, pauvre Fafa. Mais j'ai rien fait ! Fafa, je suis tellement désolé, tu t'es fait dépop de ouf. Après, c'est normal, tu n'avais pas ton arme fétiche. Donc c'est pas grave, c'est même logique, tu ne penses pas ? Ne penses-tu pas que c'est logique ? Hop. Bon, écoutez, c'est parti. Next room. On a 14 humains, hein, ça commence à coûter de la bouffe. Il y a le boss en dessous déjà, si on veut. C'est quoi ça ? Il y a que deux petits ennemis là. Ils vont être chiants. Ah, eux, ils font mal, eux. Oh, Bounce, t'as pris cher, mais heureusement, on te soigne. Ok, tout va bien. Il part pour mieux revenir. On verra. Hein. Tu t'es décalé et tu n'es plus centré sur ta cam. Ah ouais, mais en fait... J'ai posé mon coude, je suis posé comme une merde, désolé. C'est possible de revenir ? Ouais, c'est possible de se faire réinvoquer après. Ouh ! Alors, je sais pas si on peut te réinvoquer au même étage. Je sais pas s'il y a une règle là-dessus, mais on verra. Hein. Moi, je jalouse à qui ? J'aurais aimé être une magical girl. Qui sait ? Ah non, déjà, t'as déjà un truc, donc trop tard, mais... Il y aura peut-être une deuxième Magical Girl, hein. Oula, c'est qui prend cher, là ? C'est Guerriero de Garros ! Il prend très cher. C'est lui qui prend tous les dégâts. Mais il se fait soigner. Guerriero, hop, on va te cacher un peu derrière. Hein. Bon, j'ai 44 d'argent. Oh, j'ai oublié un détail ! Il faut que je paye des trucs ici. Il faut qu'on avance là. Il faut qu'on avance pour augmenter ma magie de 30% de dégâts. Donc, il faut vraiment qu'on arrive là. Donc, il me faut encore 40. Il faut qu'on économise 40. Régénération de mana, hop. Voilà. Prochaine fois qu'on a 20, on achète ça. Pour l'instant, j'achète plus rien d'autre. On a de la nourriture ici. Faut que j'oublie de jouer intelligemment. Hein. Alors, let's go. Eux, ils font un peu mal. Let's go. Guerriero, tu es monté level 2, hein. Et t'as été soigné. Oh ! Oh ! Bounce ! Bounce est mort ! On a récupéré ta tronçonneuse. Tout va bien. Oh, on a récupéré la tronçonneuse de Bounce. Donc ça va. Tu prends trop du plaisir sur tes lives. Oh, Fafa, c'est chouette. Ça me fait plaisir que tu te dis ça. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Fafa. Content que ça te plaise. Désolé, Bounce. Rip. Rip. Mais merci de nous avoir laissé la tronçonneuse, quand même. Bon, allez, celle du dessus. Donc là, ça commence à être dangereux, hein, les amis. Ça commence vraiment à... On a perdu une tronçonneuse, c'est un petit peu relou quand même. Alors eux, ils font mal, on le sait. S'ils focus un seul... Ok, c'est bon, ils en focus deux.
C'est bon. Essaye. Essaye. J'espère que je vais gagner plein de thunes. Et tous les mages derrière qui tirent, là. Alors. J'ai 32. Ce qui veut dire que je peux augmenter notre magie ici. Oh oh. Il faut que je débloque tout ça pour pouvoir débloquer ça. Faut que je débloque tout ça là. Ça fait 10, 15, 20 pour débloquer les 30 dégâts de magie en plus. Oh my god. Bah tu sais quoi, on va faire bonus de santé. Et on paye ça en plus. Voilà, et puis on viendra ici. C'est important, c'est très important. Donc là, on a gagné en plus, on a gagné un objet au hasard coûte 20% de moins cher, 20% moins cher dans la boutique, c'est cool. Et la boutique, si on veut la changer, elle coûte une pièce en moins, donc c'est bien. Investissement futur, faut jouer intelligemment maintenant. Et le boss, il est loin, hein. On a une salle de TP au-dessus, ok. Allez, fight, là j'espère qu'on va perdre personne. Mumu, t'as perdu un peu de vie. Je vais te mettre un soigneur plus près de lui. Oulala ! Des mages noirs en face. Oulala, là 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 là, petit Guy prend cher. Petit Guy prend cher, mais il se fait soigner. Petit Guy au milieu, là. Midlife, midlife, petit Guy. C'est bon, il se fait soigner. Il a survécu. Petit Guy, va derrière. Va derrière, petit Guy, et ok. Alors. Boule de feu. Les mages peuvent lancer une boule de feu à leurs ennemis toutes les 9 secondes. Pour 22 mana, infligeant 122 dégâts magiques. Vas-y, je prends. J'espère que c'est des dégâts de zone, hein. Pourquoi pas. Ok, salle du dessus. De la nourriture. Faudra en acheter, ça. Alors, on a tout visité, donc il n'y a pas d'autres salles. Il me fallait combien encore? Il me fallait 15, 20 et 20. Oh, ça coûte si cher pour augmenter notre magie. J'espère qu'on va pas avoir de mort ici. Eux, on sait qu'ils font mal. Oh, tous les soigneurs ont été soignés, petit Guy. Ouh là là, attention, lui, là. Natalia, soignez-la. Oui, oui, c'est bien. Ça commence à être dur, hein. Bind, c'est mort, pas grave, mais Bata, t'es pas sympa. Non, mais... c'est pas ça que j'ai voulu dire, vraiment. Hein. Il faut que j'achète ça. On va acheter ça. Un objet au hasard coûte moins cher, et puis il faudra 20 et 20. Oh là, ça coûte si cher pour augmenter la magie. Si on arrive là, c'est quoi? Tous les humains restaurent 10%. Ah oui, non. On s'en fiche. Ok. Bon, ben les gars, on va devoir aller combattre le boss comme on est là. Et franchement, ça va... Je sais pas si c'est bien. Je vous le dis direct, je sais vraiment pas si c'est bien. Ça va vraiment... Le prochain niveau, on va peut-être mourir instantanément. Je sais pas, c'est vachement compliqué là où on est. Cliquez sur la pub et... C'est vachement dur là où on est. Ça me fait un peu peur, je vous cache pas, ça me fait un peu peur. Il n'y a qu'un seul boss, il n'y a pas de créature autour, il est tout seul. Avec mon bouclier, je fais le taf. Ouais, de ouf, hein, Freezer, de ouf. Franchement, de ouf. Je fais tellement le taf. On devrait tous reculer de 1. Et te laisser en première ligne, parce que tu fais vraiment le taf. Lui, là-bas, je le mets là. Lui, je le mets là en bas. Un mage noir, c'est un mage noir parce qu'il fait de la magie noire, mais du coup, si un mage est noir, c'est quand même un mage noir, oui. Et puis, si un mage fait de la magie noire en plus d'être noir de peau, c'est un mage noir-noir. En même temps, un mage qui est blanc, tu dis pas c'est un mage blanc. Enfin, c'est un sujet étrange, tu vois, là. C'est chelou quand même, non? Un mage chauve, noir? Ou un mage chauve, blanc? Ouais. Avec Genesis. Ouah, il est trop stylé! Il est trop stylé! Chevalier de la mort. Regardez, on voit sa vie, là. Oh, il fait rien du tout. Il fait rien du tout. On soigne. Dès que quelqu'un se fait toucher, on le soigne. Regardez, c'est Freezer. Je t'ai mis en première ligne, Freezer. C'est toi qui prends tous les dégâts. Mais tu te fais soigner. Freezer, tu vas mourir. Freezer, t'es presque mort. Mais t'es mort au dernier coup. Attends, je vais te réanimer. Freezer, je te réanime. Je m'en fous, j'ai un pouvoir pour te réanimer. Oh, je t'ai réanimé, Freezer.
Destructeur élimine tous les ennemis d'une salle, non. Crée un glacial obéissant sur une case libre. Ah ouais, let's go, hein. On peut créer un mob. Freezer, t'as été tellement utile, t'as pas idée. T'as été si utile. C'est pour te faire exploser le cerveau, Xenesis. Favoritisme. Mais non, il a été trop utile. T'es obligé de le remercier. La tête de crocodile. Un humanoïde à tête de crocodile tombe du plafond sur votre équipe. Sans même avoir le temps de se défendre, Leios se retrouve dans la tête. La tête dans la gueule hérissée dedans de la créature. Vous avez compris. Leios est dans la gueule du croco, d'accord, hein. Il y en a qui connaissent déjà cette histoire parce qu'on l'a déjà eu plusieurs fois. Hein. Oud s'est endormi en me disant bataille il est gentil, mais des fois il est gentil bof. Des fois je suis méchant, mais Ophi. T'arrêtes pas de dire que je suis méchant parce que les gens ils meurent dans la partie. C'est pas ma faute aujourd'hui. Hein. Oui, Freezer, tu es de retour parmi nous. C'est pas du favoritisme, c'est pas des préférences. Il était level 3 avec un objet vachement important, les gars. Il fallait que je le réanime. D'accord ? Dans la gueule du crocodile, Leios tombe nez à nez avec un visage qui le regarde au fond de sa gueule et lui dit « Omaewa, Shigo. » On l'a déjà eu la fois passée. L'homme à tête de crocodile sort ensuite la tête de sa victime de sa gueule en lui demandant « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Leios répond « Quelque chose sur des filles magiques, je crois. Je suis pas sûr. Vous me laissez regarder une deuxième fois. Je vais dire ça directement. » Je m'en rappelle plus, mais je vais dire ça. Je vous fais pas voter, on l'a déjà eu plein de fois. Tu saurais ce qu'il t'a dit s'il t'avait reconnu. Mince, encore raté. Tiens, prends quelques boulettes pour le dérangement. Sur ce, l'homme à tête de crocodile disparaît en passant par une porte qui n'était pas là un instant plus tôt, vous laissant 30 boulettes. J'ai reçu de la bouffe, hein. C'est bien fait. Ouh, il y a ça qui en... Il y a un soigneur Halo en promotion de 22. J'ai 35, mais moi j'ai dit que je devais acheter ça. Est-ce que j'achète un soigneur en plus? Ça commencerait à être cheaté, hein. J'achète un soigneur en plus ou pas, les gars? C'est un objet qu'on n'a pas en plus, ça pourrait être vachement bien, ça compléterait notre équipe de soigneurs. Hein. Ouais, je suis chaud. Allez, je suis chaud. Kainox! Kainox, il va devenir... notre ange gardien. On a tellement de soigneurs, mais non. Par contre, ça devient cheaté. Ça devient vraiment cheaté. Et là, il faut vraiment qu'on économise, mais non. On achète ça, 20 et 20. Il nous faut 40. Il faut 40. Griot, je peux te remettre devant. C'est vrai que j'ai une tronçonneuse, là. Alors, je pourrais payer ça. C'est Francis. Monsieur Francis, on lui donne la tronçonneuse. Hop, on ne met pas en première ligne. Comme ça, il level up un peu. On va dans la salle à côté. Ça va? Et nous, on meurt comme des grosses merdes. Pas grave, hein. Mais c'est dans le jeu! Mais tu vois, Ophi, c'est toi qui es négative. Tu es négative. Oh... Plus négative aujourd'hui, Ophi. Tu ne fais que râler parce que tu es morte. C'est ma faute si tu es nul dans le jeu. Attrapez-le, attrapez-le. Ah, vous êtes qui? Ça ne se voit pas, je suis la mort. La grande faucheuse, Thanatos, un Shinigami, si tu préfères. Mais alors c'est fini, on est mort? Non, non, j'ai d'autres chats à fouetter. Votre heure est proche, mais on n'en est pas encore là. Vous pourriez m'attraper ce pêcheur qui s'est enfoui? En échange, je vous donnerai quelque chose. Je suis la mort, après tout. J'ai le bras long. On va essayer. Ok, donc il y a un de ces zombies qui s'est échappé. On doit juste le rattraper. Donc, let's go. Regardez dans la salle, on va le voir. On va le voir courir. Là, il est parti là-bas. Oh, il est parti au nord. Il y a un petit combat. Ouh là 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 là. Oh non, 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 non. Francis, meurs pas, Francis. Ça va, on fait assez mal, on fait assez mal. Juste Francis, attention Francis. Je peux avoir une autre Sailor Moon si je veux. Mais j'avais dit que je claquais plus mon argent. Mais une autre Sailor Moon, ce serait génial parce qu'elle est très forte. Vas-y, je veux une deuxième Sailor Moon. C'est Xenesis ! Oh, Xenesis ! Toujours pas d'exénétisme dans la place. Mec, je vais t'acheter le déguisement de Sailor Moon. Tu vas faire équipe avec... Akilusan, voilà, on a deux Sailor Moon. Go manifester, mais sans moi, parce que j'ai la flemme d'écrire. Non, mais frère, voilà, tu es là. Tu es là. Tu es là, maintenant. Je repop deux secondes pour dire que c'est une ref à un manga. Le Shinigami? Ouais, bien sûr. Hein. Ben, les Shinigami, c'est les dieux de la mort. Moi, la première fois que j'ai entendu ce terme, c'était dans Bleach. Bleach, mais c'est peut-être dans d'autres trucs aussi.
Ah non, il y a dans Bleach les Shinigami, mais il y a aussi dans Death Note. Mais est-ce qu'il y a dans d'autres? Les dieux de la mort, hein. Oh, le mec à tête de crocodile. Ah. Ouais, ça, j'ai pas la ref. C'est vrai que ça me semble bizarre, parce que je connais pas. Mais merci de l'info, du coup. Ça m'intéresse de savoir quoi, d'ailleurs. Fata nous exploite, révolte. Mais non! Très fort avec mon sabre laser. On a toujours pas vu d'autres sabres, hein, Fafa. Oh, le con. Gentil bof, c'est bien ça. Un négatif juste réaliste. Et moi, ça m'embête que vous soyez mort, hein. Mais genre, j'y peux rien, quoi. Oulala, c'est quoi ça? Oh là là! Oh là là, il y a un truc bizarre autour de nous. Il y a une tête de mort sur la tête de tout le monde. Oh là là, non. Natalia a survécu. Oh, elle allait tellement mourir. Elle a survécu. Et là, Guerrio. Ouah, c'était tendu, hein. Ah, mais Francis est mort. Mais Francis est mort. Et on a perdu sa tronçonneuse. Non, Francis. Oh. Soin de l'esprit. Lors des soins, la classe soigneur régénère 32 mana à la cible. Oh, let's go. Oh, direct. Maintenant, quand un soigneur soigne, il donne 32 mana. Et comme j'ai des magiciens partout, c'est génial. C'est génial, les gars. Religion IRL, les Shinigami. Dans leur religion IRL, les Shinigami. Je veux dire qu'on dit vraiment... Enfin, il y a des religions qui disent que ça existe, les Shinigami. Shinigami, c'est ça? Shinigami, c'est un ange de la mort, c'est une mythologie asiatique. Ah, d'accord. D'accord, je vois. Je vais attendre le temps qu'il faut. Ça se trouve, ça sera peut-être la prochaine partie, hein. C'est vrai que cette partie dure longtemps, hein, mais c'est cool, hein. 1h30 qu'on joue, ça fait 1h30. Prochaine fois, pour que ce soit plus réaliste, quand on meurt, fais péter le champagne. Oh, mais t'es si méchante avec moi. T'es si méchante avec moi, Ophi. Je te jure, hein. Comme d'hab, je vois que je reste loin pendant les combats. Bon à savoir. Comme d'hab, j'ai pas de... Oh, pauvre Xenesis. Alors là, on va... Là, ça va être difficile. Là, ça va être difficile. Oh non, c'est pas ce que je pensais. Ça va quand même être dur. Natalia ici. Guerrio, Natalia en coopération. On a perdu quelqu'un. Ah non. C'est quoi ce... Alors, déjà, je peux m'acheter ça. Changement gratuit à l'hôtel, des mutations. Boum. Je pourrais m'acheter les 30% de dégâts de magie. Mais il faut que j'achète de la bouffe. On va voir le prochain combat. Et on a retrouvé l'humain. Attendez, ne laissez pas la mort me prendre, je peux vous payer. Combien? 30 pièces. La mort, elle nous donne quoi? Donc, il y a la mort qui veut qu'on le rapporte. Tu vois? Je sais plus ce que la mort nous donne comme bonus. 30 pièces, ce serait bien. Ça voudrait dire qu'on aurait 43 plus l'argent du combat. Ça voudrait dire que je pourrais augmenter ma magie de 30. Plus acheter de la nourriture. Donc, on va dire oui. D'accord pour les 30 pièces, on ne vous a jamais vu. Moi, je pense qu'on fait ça. Hein. Vous êtes d'accord ou pas? La mort, elle nous donnera un pouvoir, mais je ne me rappelle plus c'est quoi. Je viens de voir le manga avec le mec crocodile, il s'appelle Doro et Doro. C'est quoi, on peut regarder un... Ah, mais je capture même pas le jeu, je capture un... Ah ouais, merde. Non, parce que moi, je préfère capturer le jeu. Hop. On peut aller regarder maintenant à quoi ça ressemble. Alors, copier-coller, Doro et Doro. Cette histoire de crocodile, apparemment, ce serait ça. Oh, ça me parle! Ah, merde, je me suis trompé de scène, pardon, excusez-moi. Ça me parle? Ça me parle, ce truc. Ça a l'air spécial, mais j'aime bien. Ah, donc elle, c'est une meuf? Je crois que c'était un mec. Bon, là, ça se voit plutôt bien que c'est une meuf, mais... Oh, la musique. Regardez comment la musique, elle a changé. Bounce. J'espère que t'auras pas de syndrome post-1. Post-trauma, hein.
courage, hein. Des bisous, Bounce. Merci d'être passé, d'être resté aussi longtemps, ça fait plaisir. Des gros bisous. J'ai déjà vu, super sympa. Donc, il y a un animé dessus, ce n'est pas qu'un manga. Ok, on veut les 30 pièces. J'espère que la mort va pas se venger de nous, hein. Maintenant, on a 43 pièces et on va en gagner encore plus. Les gars, on avance bien dans cette partie, hein. Ouh là 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 là, Natalia, mais elle se fait soigner. Tout va bien. J'ai si peur. Bidibidip. Pour les factures de psy. Des bisous. La mort pourra peut-être nous tuer, peut-être, hein. Ouais, j'ai... bon. Est-ce que je regarde un peu ce qu'on a quand même ici? On a une épée ici, j'achète une tronçonneuse, on aura 3 gars à l'épée. Oh, on a l'épée ici, l'épée laser. Je la prends. Et aussi, je prends le bonus de magie. Boum, maintenant on fait 30% de dégâts magiques, c'est insane. Je pourrais repayer encore 30 et augmenter le level de ça. C'est insane, les gars, d'accord? Mais non. J'espère, Fafa, que ça va être toi. Hein. Oh, chef gamer! Oh, je suis content de te voir, chef! Ça va et toi, chef? Comment tu vas? Oh, le crâne, Ophi! Bienvenue, mec. Moi, ça va. Là, ça fait plusieurs jours que je suis un peu vénère, un peu tristounet et tout, mais... quand je suis en stream et que le stream roule, moi, je me sens bien. Donc, voilà, chef. J'espère que toi, ça va. Hein. Le costume de One Punch Man, là... Oui, il y a One Punch Man, ouais. Je l'ai pas pris, mais il y a One Punch Man dans le jeu. Très cher. Et ouais, bien vu. Des batailles avec des pièces qui valent rien pour qu'ils disent que t'es génial, c'est stonks en vrai. Fafa, j'espère que ce sera toi. C'est Georges le bot. C'est Georges le bot qui aura l'épée laser. Attends, tu sais quoi? Je vais être gentil, je vais repayer un humain. C'est Monsieur K. Je repaye encore un humain. C'est Titi. Enfin, Fafa, tu n'es pas là malheureusement. Oh. Fafa, j'aurais essayé. Je vais donner l'épée laser à Georges Lebot, je pense. Hein. C'est lui le premier que j'ai tiré. J'ai quand même donné une épée à Monsieur K. C'est qui ça? C'est Titi. J'ai une épée à Monsieur K. C'est honteux. Oh, Fafa, j'ai essayé, Fafa. Hein. Titi, si tu m'entends, je t'adore, mais je crois que je vais te sacrifier. Je vais dormir bon stream. Oh, il part en plus. Titi, passe une bonne nuit. Merci d'être venu, d'être resté aussi longtemps. Ça va. Prends soin de toi. Jeudi soir, je fais du Elden Ring sur Contact Stream, si jamais. Comme ça, tu sais. Ça va, vu que ça fait longtemps. J'arrête de bosser, j'avance à rien. Bah, c'est bien de t'en rendre compte, hein, c'est que t'as besoin d'une vraie pause. Hein. Moi aussi, je suis content de te voir. Juste, je viens de me taper un blue screen il y a genre 40 secondes. Ah, s'il te plaît, me dis pas que je vais en avoir un aussi. Hein. J'espère que non. Hein. Pas de personne à nourrir, là. Ouais, là, on est trop nombreux, là. Je vais sacrifier Titi. Titi, des gros cœurs sur toi, désolé. Je viens de t'invoquer, mais Titi, tu vas mourir. J'ai reçu un succès Steam, aucune pitié. Alors, Monsieur K, est-ce que je le garde ou pas, hein? Monsieur K, on lui donne l'épée, on verra si on le sacrifie pas le tour d'après. Ah, mais j'avais dit que j'allais acheter la bouffe! J'ai claqué trop d'argent. J'avais dit que j'allais acheter full bouffe après, et j'ai plus assez maintenant. Et là, je suis trop con. J'ai pas réfléchi du tout. Parce que je vais retourner là-dedans. J'aurais pu me TP dans la salle ici et aller dans la salle de bouffe sans rien... Merde, j'ai gaspé la nourriture pour rien. J'ai mal joué. C'est le karma, ça. Alors, des trucs, sinon, ils vont mourir. T'inquiète. Fight! Déjà, là, les nouveaux, ils ont pas tant de vie que ça. Les combats se passent plutôt bien. Hein. Les combats se passent vraiment bien. Hein. Je vais encore acheter de la bouffe. Voilà. Salle d'en dessous, il y a un événement. Enfin, il y a un événement, il y a une... Non, il n'y a pas d'événement, mais il y a un truc. Ok, ces mobs-là, normalement, il n'y a pas de soucis. On les défonce. J'ai peur du prochain étage, le niveau 7. Hein. Ça va être dur. Hein. Il y a de nouveau une épée laser. Mais j'ai que 20.
Crois pas que je vais l'acheter, hein. Crois pas que je vais l'acheter, hein. Mais oui, ça fait plaisir de le voir, ça, Alonso. C'est vrai, ça, on le voit moins souvent. Mais il a trop de boulot au cours, hein. C'est pour ça, hein. Merde, Titi qui a séché les cours. Achète pas, non, je vais pas acheter, je crois que c'est une mauvaise idée. Et Fafa, vu que t'es mort à cet étage, je me dis peut-être que tu peux pas réapparaître à cet étage. Ah non, t'es mort à l'étage d'avant. Bon là, j'achète rien, on économise. Bien, ici on n'a rien eu. On se TP là. On va dans la salle en dessous. Et puis on va dans la salle de boss quoi. 42 de bouffe. Allez, fight. En fait, ça servait à rien de faire cette salle. Hein. Enfin, si ça entraîne. Si ça entraîne mes soldats, je suis con, ça les entraîne. Ça... Si, si, évidemment que c'est utile. Bon, allez. Attention, le boss, les amis, ça va... là, ça va peut-être être un peu difficile. Après, on a une bonne équipe. Hein. Est-ce que je vous rappelle un petit peu, il y a qui dans l'équipe? Nous avons Leios, Leios Granger. Nous avons Skedon le Gris, Kainox Marabou, Natalia du Guesclin, j'ai pas la ref. J'ai arrêté de dire ces trucs-là. Nous avons Janice Kurokawa, Tigui, Guerriero de Geros, Georges le Bot. Xenesis, Freezer, Jackie, Ray, Akilusan, Monsieur K, Piwa et Mumu. Tout ça. Oh, Kainox, merci pour le 20 bits. Merci, mon bro. Merci, Kainox. Merci, merci pour les bits, c'est gentil. I'm back. Oh, Ray, let's go. I'm back, bitches. I mean, love for all. Putain, Xenesis, ton message, il me détruit au-dessus. Hein. Ton message, il me détruit, Xenesis. Hein. Vraiment, tu me détruis, là. Faut arrêter. Hein. D'ailleurs, chef gamer, regarde un peu Xenesis, il est où dans le jeu? Je regarde, c'est lui, là. Ça, c'est Xenesis, là. Tu regardes. Voilà, ça, c'est Xenesis. Comme ça, tu vois, hein... Je crois qu'il a, il a le style, quoi. Hein. Xenesette. Bounce qui est de retour déjà! Mais trop cool! Ray et Bounce qui reviennent, c'est chouette! Ray, you are here! Level 4. And voilà! I have 2 Sailor Moon. I have 5 Mage. 5 Healer. And. Yeah, et voilà. And. What. 30, 13 of mana, healer 1, hein, you know, and fuck, hein. This is the... Je vais arrêter de parler anglais, c'est le boss du niveau 6, les amis. Le niveau 7 est notre record. La dernière fois, on est arrivé au niveau 7, on s'est fait massacrer. Je peux invoquer un truc? J'ai invoqué ça, j'ai oublié, j'avais ça, là. C'est Nao? On a invoqué Nao? C'est un crâne magique? On a invoqué Nao? J'espère qu'elle va survivre. Oh, j'espère tellement qu'elle va survivre. Je vais la mettre là-bas, comme ça, tout au loin. Let's go to the fight! J'espère pas en fait des os, bonne soirée. Mais quel noob! Mais Bounce, je te déteste. Des bisous, Bounce. J'ai tout compris, chef gamer. Nice build, I can get high floor. Ouais, ouais, si, donc là, y a Ray qui nous a dit, si on avait la mutation, donc le pouvoir pour les épéistes, pour faire une attaque de zone, ça nous aiderait vachement pour la suite. Oh my god! It's okay, it's okay, it's okay, it's not okay, it's not okay! Natalia! Natalia is dead, non! Monsieur K is dead, non!
Natalia et Monsieur K. Ray, can I use the power... Bon, en fait, je vais pas me cacher. Can I use the power in fight? Or just after le fight? J'y avais pas pensé, mais là, j'ai un pouvoir pour soigner les amis à côté de ma caméra. Ça se trouve, en plein combat, je peux soigner, hein. Le ciel, je suis un roc d'acier. Mais je t'ai soigné encore, hein. Nao, il faut carry. Elle est vivante, elle est passée level 2. Imiter ton anglais. C'est le gamer. My English is very good, ok? Jackie, I'm sorry. Ah oui, et Ray. Oh, 60. 16% of... hein? Invoquer trois nouveaux d'un seul coup. Ouais, les trois nouveaux. All buttons just work after fight. Ok, thank you. Si une crevette plante une fourchette dans une prise, est-ce que ça va la cuire? Oui. Ça, vous me tuez les gars, vous êtes géniaux. C'est parti pour le level 7 les amis, le niveau 7. Ok. Le bandit manchot. Les chétifs humains tombent sur un gigantesque robot couvert de rouille portant un Stetson. What is Stetson? C'est quoi un Stetson? Et faisant tourner un vieux revolver dans sa main. Ouais, enfin des humains. Allez, on joue. Faut absolument que je joue à pierre, feuille, ciseaux avec vous. Continuez. Si vous gagnez, je vous donne 10 pièces. Si vous perdez, vous devrez m'en donner 5. Et pas de triche. Alors, on peut jouer à l'infini. Les gars, on pourra jouer à l'infini, je pense. Regardez bien, je vous fais un sondage d'une minute. 1, 2 ou 3, d'accord? 1, 2 ou 3. Pierre, ciseaux, feuille. Ok, 1, 2 ou 3. Vous choisissez. Vous choisissez. Vite, hein, votez les amis. Hein, votez dans le chat. Hein. Votez. Pierre, feuille, ciseaux. Hein. Enfin, pierre, ciseaux, feuille. 1, 2 ou 3. J'ai mis une minute, donc j'attends la minute. Hein. T'as dit qu'on était généreux en plus gratuitement. Vraiment généreux cet homme. J'ai jamais dit ça. Hein. C'est pas moine? Mais pourquoi? Pourquoi? Bon, vous êtes 4 à dire ciseaux. Hein. 5 à dire ciseaux. Il reste 20 secondes. 20 secondes. Ma confiance, le 2 d'après mes calculs. À mon avis, ça va être ciseaux. Hein. Il y en a 2 pour épée. 2 pour épée. 2 pour pierre. 2 pour feuille. 6 pour ciseaux. Bon, les amis. Ciseaux. Feuille. Youpi, j'ai perdu. Le robot laisse tomber 10 pièces. Tenez, allez, on continue. Les gars, on continue, d'accord? Ok? Vous êtes prêts à voter? C'est parti. Revotez, les amis. Revotez. On a déjà gagné 10 pièces. Quoi qu'il arrive, on est gagnant. Quoi qu'il arrive, même si là on perd, on a gagné 5 pièces. Je vous rappelle, le tour d'avant, on a fait ciseaux, il a fait feuille. Maintenant, est-ce qu'on refait ciseaux? Est-ce qu'on joue le coup de la pierre ou le coup de la feuille? Qu'est-ce que... Moi, je serais presque d'avis de dire on refait ciseaux, tu vois. Je serais tenté de refaire ciseaux. Là, je vois que vous hésitez. Ciseaux et feuille, vous hésitez. Hein. Fafa, il dit 3. Tu peux pas voter? Je dirais oui, mais il n'y a pas. Ouais, non, désolé, il n'y a pas ici. Dans un mois. Céleste, j'arrive pas à voter. Quoi? Dans un mois. Ah, ok. T'arrives pas à voter? Ouais, mais je sais pas si vous mentez ou pas, parce que je peux pas voter pour vous. Allez, on va dire que t'as voté 1. Papa a voté 3, donc ce serait égalité. Faut que quelqu'un vote en plus, là. Je peux pas non plus. Feuille. Et feuille, c'est 3. Bah, les gars, alors il y a plus de 3. Roche, youpi, j'ai perdu! Oh my god! Alors, j'ai rajouté les votes de ceux qui n'ont pas pu voter. Hein. On a regagné 10 pièces. Quoi? Je suis enfin libre! Sur ces mots, le robot se tire une balle dans la tête avec son revolver.
Les humains ramassent les 10 dernières pièces qu'il a laissées et reprennent leur chemin. Le robot vient de se suicider parce qu'on a gagné 2 fois en disant qu'il est libre. What the fuck? What the fuck? Bon! J'ai 67 pièces. Je pourrais racheter un humain. C'est Ronflex. On va lui donner l'épée de Guts ici. Du coup, niveau épée, on en a... Ok, j'aimerais bien acheter ça. Et un autre humain. Ophi! Ophi, tu es de retour, Ophi! Et Ophi, je te donne une tronçonneuse. Ophi, tu es de retour et tu as une tronçonneuse. D'accord, tu es là. Hein. Tu es fragile, tu es level 1. Il va falloir que tu level up. Ronflex, tu es level 1. Il va falloir que tu level up aussi. Let's go to the next room. Ah ouais, I can... Non. Oh, je savais pas, Ray. Oh, fuck. Oh, Ray. Oh, non, j'aurais dû... Oh, non. Oh, les gars. C'est le level le plus difficile. Ça va être si dur. Ça va être si dur. Il y a tellement de zombies. Oh, non, 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 non. Skedan. Skedan. Une seule pièce. Une seule pièce et notre partie est finie. Ça veut dire quoi? Que j'ai mal joué? J'ai mal joué alors? On a perdu tous nos meilleurs. C'est ça le problème de ce jeu, c'est que... Putain, on ne perd jamais de peu, on perd toujours d'un seul coup. Et c'est chiant, t'as beau être préparé, on perd d'un seul coup. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En fait, ça... Vu que c'est pas la première fois que ça nous arrive, ça me donne pas envie de jouer, quoi. J'ai plus envie de jouer. Là, maintenant, c'est fini, hein. On a perdu tout le monde, c'est fini. Je vous le dis, hein. C'est loose, quoi. Courage, chef, pour les cours. Courage. Bon. Là, la partie est finie, hein, les gars. La partie est finie. Je veux dire, là, j'avais progressé ici pour une fois et tout. Et malgré tout, on se fait dévorer comme ça. C'est dur, hein. Voilà, j'ai invoqué des humains. On a Ced, on a Titi, on a Riddler. Riddler, tu deviens une mage. Hop. Ça devient des mages. Je réinvoque des humains. On a Tralalipouette. On a Francis. On a un humain qui a rien. On va se faire défoncer prochaine salle, quoi. On va se faire défoncer prochaine salle. Ouais, Ray, t'as raison. Là, les gars, tout à l'heure, je vous rappelle, on avait la possibilité d'avoir un pouvoir. Je sais plus exactement ce que ça faisait, Ray. I don't know de pouvoir... Mais en gros, ça donnait un avantage s'il y avait plus d'ennemis que d'alliés. Et je l'ai pas pris, ce pouvoir, mais j'aurais dû. Parce que l'étage des zombies, le 7ème, c'est vrai qu'il... Mal, ils vont tous mourir, là. Il y a beaucoup trop de zombies, quoi. Oh, il court après lui, il court après lui. Fafa. Fafa, c'est toi qui avais rien. J'avais même pas vu que t'étais là. Bon, on a des morts, hein. Fafa, Riddler, Ced, Xenesis. Mais en plus, j'avais plus de nourriture. J'avais même pas vu que j'avais plus de nourriture. Oh, Sully. Oh, le jeu, ça va pas. Le jeu, ça va pas. Je suis triste. Je suis vraiment triste, les gars. Ça se passait si bien.
Là, c'est fini. Et toi, Sully, ça va? T'as bien mangé? Ce jeu est nul. Là, franchement, c'est dur. Là, par contre, là, tout le monde meurt. Hein. Là, c'est sûr. Hein. Il y a trop de zombies. Hein. Tralalipo est mort. Nao morte. Akilusan mort. Francis mort. Kiwa mort. Titi mort. Georges Lebot mort. Kainox, Jackie, Freezer, Janice, Petit Guy et Kuro. Mais regardez tout ce que j'ai gagné pour la prochaine fois. C'est vrai que je pourrais commencer avec d'autres trucs. Bon. Moi, je pense... C'est quoi qui a fait ce bruit, là? Le truc qui est tombé. Je le vois pas. Moi, je pense, les amis, qu'on a appris. On a appris des choses. Joue à Bob l'éponge, c'est bien. C'est prévu, je te jure, c'est prévu. Heureusement que je reste plus longtemps sur tes streams que dans tes parties. Ouais, Riddler, je suis désolé. Mon téléphone va mourir, je vais aller lui mettre un embout dans le trou pour lui redonner un peu de force. Afin de rester dans le monde des vivants. Autrement dit, je fais charger mon tel, puis je reviens. Xenesis, je sais pas si tu m'entends encore, mais let's go. Bon, les gars, c'est loose. Dommage. On a débloqué ça pour la suite. Pour la prochaine fois. Je peux pas voir c'est quoi. Alors, haute intelligence, les unités de classe gagnent 100% d'expérience. Les unités de classe? What is class? Qu'est-ce que c'est des unités de classe? Saignée, les soigneurs appliquent soins aux ennemis et leur infligent des dégâts magiques de 200. De puissance guérisseuse. Par contre, ils ne soignent plus aucun allié du tout. Ah ouais. Donc les soigneurs deviennent des méchants, quoi. Boule de feu. Bah quoi? Mais... Ah... J'ai débloqué des trucs chouettes. Magie spéciale. What is that? What is magie spéciale? J'ai déjà cet objet. Bon, j'ai appris de mes erreurs. C'est mieux que la dernière fois, non? C'est pas spécialement mieux, mais j'ai encore appris des trucs. La dernière fois, on avait été un peu plus loin quand même. Dans la salle. Ah. Ok, nice. Alright, ok. Survivre à ça, je m'appelais The Impossible. Bah oui, bah évidemment. Bon. Désolé, Piwa. T'as quand même sauvé des gens toute la soirée. Hein. YouTube, c'est la fin de cet épisode. Nous, on va refaire une partie. On refait une partie ce soir, les gars. On en fait deux. Il est 10h. 10h15, cette partie a duré 2h, donc à minuit on s'arrête, hein, ça va. Elle a duré un peu moins de 2h en vrai. Hein. YouTube, des bisous. Écoute, j'aime toujours autant ce jeu, même si là, la défaite, elle a fait mal. Hein. On va devoir se préparer pour le level 7 parce que c'est le plus dur. Les zombies, c'est le problème, ils sont trop nombreux. YouTube, des bisous.